Eh bien le bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, tac tac tac, on fait les petits paramètres, j'espère que vous allez bien, ici Draken sur Ivasan Studio, on continue notre aventure sur Borderlands Gothic Unanswered, et je suis toujours accompagné de mon cher ami Jack, bonsoir Jack, Hello. et nous allons pouvoir continuer notre petite aventure en Pandore, et je ne te vois pas dans ma liste d'amis, monsieur Jake. Du coup, je ne Pas peux normal. pas t'inviter en jeu. Est-ce que tu es bien mis en ligne sur Steam? Alors, le temps que ça lague et que j'arrive. Et du coup, on va pas faire comme l'ancien stream. On va montrer le jeu tout de suite. Oui, Hop. ça peut être utile. Oui, tout à fait. Normalement, je suis en ligne sur Steam, c'est bon. Alors, inviter un ami. Ah, Jake Vassand, je te vois. I see you, Jake Sully. Voilà, ça fait longtemps qu'on m'a pas fait comme ça. Eh bien, le bonsoir, Wedjos. Et Bonsoir, bien Wedjos. sûr, d'autres personnes qui sont sur le chat, bien le bienvenu. Alors, as-tu répondu à mon invitation? Oui, ça charge. Réponds, réponds Je suis un vite! peu bête quand même parce que j'avais lancé le jeu à 20h30 exprès pour être tranquille, pour pas que ça lag trop. J'oublie d'être en ligne sur Steam. Résultat, Alors, changement de fenêtre, donc je lag. alors j'ai fait pareil. À 20h, j'ai lancé le jeu. J'ai vu Jack n'est pas connecté. J'ai fait ah oh, bon, bah, il va peut-être revenir après. Ouais. Tac, c'est que je mets en pause. Active le joueur muet sur Oui, le jeu. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut le mettre à chaque fois. Hop, activer le joueur muet, comme ça je ne tom-tom pas dans le jeu en double. Pourquoi j'ai eu un bonus de 80 000 d'XP là? T'as eu un quoi? Ou alors c'est l'XP de la dernière fois qui s'était pas affiché. Non, je viens d'avoir plus de 80 000 et des brouettes et l'XP, c'est pour ça. Oh là, je n'ai rien fait. J'ai toujours la même version, je n'ai pas piraté le jeu. La dernière fois on s'était amusé avec des cafards. On avait découvert des 1, 2, 3, Ouais. découvert ton surnom. Hein, soi-disant ton surnom. N'hésitez pas à regarder la VOD qui sortira bientôt sur YouTube pour savoir quel était le fameux surnom de Jake. Et on avait détruit une religion, si tu t'en souviens. C'est des grands mots, mais oui. Nous avions arrêté une religion fanatique. Voilà, plus une secte qu'une religion, Oui, quand même. voilà, une secte, c'est vrai. Ah, c'est. Je sais plus c'est quoi le nom de la religion, mais. Parce Avec que. un boss très Oui. bizarre. C'était un cafard. Voilà, hôtel des trois hôtels. Du coup, niveau quête. Alors. Non, annule, vite, annule, annule, j'ai perdu une arme que je voulais pas. C'est bon. Ah, tu peux les racheter, hein, les armes, t'inquiète pas. Oui, j'ai eu peur, c'est bon. Tout va bien, tout va Tant bien. Tout va qu'on. bien. De mémoire, c'est tant qu'on change pas de zone, tu peux les racheter. Ou que tant que tu relances pas la partie, C'est bon, tout ça va bien. fonctionne. Alors, Tout va très bien. soit on fait deux quêtes qui font référence à le bon, la brute et le truand. Et en même temps, on peut aller faire des quêtes où on doit aller pêcher des poissons frais à la grenade. Ok. Voilà. Soit on peut faire une quête du cercle du massacre. Je sais pas si tu te souviens, c'est la petite arène là où on avait galéré tout début. Ouais. Soit la quête principale. Soit on va se balader à côté de. Alors, Old Haven, qui était l'ancien camp des pierres écarlates que nous sommes. Ou sinon, une autre quête où on doit tuer quelqu'un. Comme d'hab, hein, je te suis donc. Eh ben, on va aller faire les bons, la brute et le truand alors. Du coup, on va aller se TP. C'est parti. Je regarde. Hop, hop, hop. Alors, Treacher Landings. Ah bah oui, c'était la grande zone où on avait été. Justement, c'est les quais. C'est les quais de poissons. Et du coup, là, on va sûrement. Enfin,
La quête, ce sera de pêcher des poissons. Et je vise comme un caca. Je vois pas. Ah, ça y est, c'est bon, je vois les gens. Pourquoi j'ai pris un flingue? Parce qu'il tire avec des munitions infinies. Ah, non, c'est pas lui. Si, c'est celui qui tire avec les munitions infinies. Bon, en tout cas, je m'amuse bien avec. Ah non, c'est pas celui-là. Moi, c'est celui-là, celui avec les munitions infinies. Ça, j'avais un autre flingue, je me dis, bah, bizarre, c'est quoi ça? Il fait pas beaucoup de dégâts, mais ouais, les munitions infinies sont pas mal. En fait, je pense que ça va être pas mal, c'est quand on va voir les boss, en fait. Oui. Alors, il y a un boss... Alors, par contre, je vais mettre ma tourelle parce que lui... à deux guns... au petit gun, on va avoir du mal, je pense. Hein. On va taper... Hop, je l'ai brûlé. Il y en a qui s'est parti. Enfin, il y a des gens en hauteur. Oula, lui en plus il tire au lance-roquette. Donc là j'ai un SMG qui tire au coup par coup. C'est très utile tout ça. Tac. On arrive dans la décharge, enfin la pseudo-décharge. Tu es en hauteur si jamais. Ah oui, c'est. Ouais, t'es bête. Je veux le planquer, tu veux le planquer. Non, il y avait des ennemis. Elle est où la cover là? Et là tu es bloqué. J'arrive. Mais ça dit qu'il est bloqué. Il peut pas passer à cause de son pote. Du coup, hop. Alors tiens, j'ai vu, moi le succès d'arme est élémental. Il faut que je tue des mecs. Enfin que je tue 25 personnes avec une arme corrosive et j'aurai un des succès de style. Donc dès que j'ai une arme corrosive, je vais m'amuser avec. Par contre, j'ai pris très très cher. Et c'est par là qu'on doit aller. Ah, j'arrive. C'est... Attends. Je viens de me bloquer. Ah non, c'est bon. Par contre. Il y a des gens pas loin. Bah, tiens. Ah bah. Ok. Il m'a mis un coup. Hein. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as ton talent qui fait que tu passes les boucliers. Bah, apparemment. C'est vrai. Bah oui, souviens-toi, on avait regardé pendant notre fameux duel. Du coup, les duels, c'est de la triche, puisque... Moi, je vais taper ton bouclier. Oh là. C'est moi, t'inquiète, c'est moi qui fais péter. Hop. J'en tue un. Il faut de la vie, par contre. C'est bien que je vous supporte, mais... Là, il va y avoir pas mal de gens. Et du coup, il faut que tu gardes tes grenades. Hein, si jamais, essaye de garder le plus de grenades possible. Vu qu'on doit pêcher à la grenade, tels les beaufs que nous serons. Oui, les beaufs adorent pêcher à la grenade. Pistolet. Là, tu veux me rendre corrosif, bah moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? T'es loin? Tire sur des gens. Là, j'ai vu une arme. Je veux ton arme corrosive, toi. Je veux mon succès Steam. C'est qui m'attaque? Ah, t'avais pas vu. Hop, j'ai encore un ennemi là-bas. Alors, tu vas bientôt mourir, cher ami. Oui. Faut qu'on se rejoigne là. Ah mais c'est lui là. Allez, meurs. Je vais mourir. Hop, c'est bon. Ah c'est bon. Normalement tu vas être régène un peu. J'ai réussi à récupérer de la vie. J'ai chopé un truc utile pour nous et je viens de bloquer. Alors, ah bah c'est... Il y a des pirates! Mais tu J'essaie de taper sur la tourelle en fait.
Mais c'est une tourelle qui nous fait très mal là-bas. Dommage. Je ne mourrai jamais. Non, c'est bon, elle est détruite, J'ai sorti le lance-roquette. Ouais, joli. Alors, du coup, il faut qu'on aille sur le bateau. Drapeau est rigolo. Donc on a Il fallait qu'on aille dessus ou qu'on le... Enfin, faut qu'on l'explose. Donc ah oui, là, parce que moi tu me dis on va dessus, je vais dessus. Ouais, non, non, en fait, je vais dessus et toi tu me tires dessus. Non, fallait qu'on l'explose. Ah là là. Alors, bon, cette arme-là me sert à rien, Ça, ça me sert à rien. 40... Elle est où la limite de la map? Je sais pas, tu sens, tu le vois. De toute façon, tu vois, soit tu vas être, tu vas respawn. Ah, voilà, tu vois la limite. Tu as vu la limite, Jake. Oui, oui, bon. De toute façon, il y a des ennemis au-dessus. Ouais, mais de toute façon, il faut faire le tour. En fait, je pensais que c'était la quête du poisson, mais non, c'est pas la quête du poisson que j'ai pris. La quête du poisson, elle est à côté. La quête du poisson, elle est un peu avant. Là, c'est on doit tuer le bon labrutre et le tueur. Et en repartant, on pourra faire la quête du poisson. En fait, on a tué l'honnête. En fait, c'est que des bateaux. Tu vois, honnête homme, coulé, terrible, vengeance. Ah, coulée, d'accord. C'est... J'ai pas très bien lu la quête. Bon, dès que j'ai mon succès Steam, je lâche cette arme parce que le mode corrosif, c'est bien dans Borderlands 2, mais pas dans Borderlands 1. Allez, la tourelle. Ah, je tue partout, je sais même pas où je vise. Non, je vais pas devant, sinon je peux te tuer. Alors, Ah oui, n'hésite pas, vu qu'il y a des tonneaux partout. Ouais, ouais. Tu peux tirer sur les tonneaux et. Ça va leur faire énormément de dégâts. Hop. Alors il y a l'autre avec son bateau à côté. Hein. Allez. Ok, attaquez pas. Hop. On lance une roquette. Et par contre du coup il y a l'autre avec son bateau. Et on peut le détruire. Alors. Hop. Donc le... La maîtrise... Il est derrière. Il y a là le bateau. Non, non, l'ennemi. Ah oui, l'ennemi. Appui ennemi. D'accord. Appui ennemi. Okay. Donc là, bah, je te laisse tirer sur le tonneau du bateau. J'arrive. Comme ça, tu veux... C'est où? Bah, je suis devant toi. Là, la tonneau du bateau. Là-bas. Où t'as l'objectif, tu tires dessus. Et voilà, t'as coulé le bateau. Voilà. D'accord. Un homme à la mer. L'autre bateau, il est là-bas. Alors, il est... là, il doit. Oula, oui, c'est bien ce que je me disais. Il y a du people. Ils ont plus de vie, non? Ouais, c'est des brutales. C'est un brutasse, quoi. Et à côté, juste derrière, il y a d'autres brutales. Voilà. Et regarde, là-bas, ils nous attendent gentiment solo. Ouais. Ouh, Sanguine, elle fait gagner du pognon quand elle touche quelqu'un? Je sais pas. Bah parce que tu l'as touché, bah apparemment il a perdu 3 liasses de billets. C'est pas mal. Attends, il y en a encore un là-bas. Viens ici Michel, on va te t'avoir. Voilà, cible touchée. Hop, oh du pognon. Du pognon. Y'a pas un coffre rouge ici? Je cherche. Ouais, c'est une... ça paraît bizarre. Parce que là, j'aurais dit une zone comme ça, il aurait dû y avoir un coffre. Peut-être comme on a explosé le truc, là, il n'y a rien.
Non, y a rien. Bon bah non, bah y a pas de coffre. On a fait ça pour rien. Bon bah vas-y, on peut continuer. T'es sûr qu'il y a rien de rien? Non, non, bah non, y a pas. Y a un truc en haut là. Ouais, hop. Raté. Parcours. Y a un truc en haut, de où? Là-bas? Oh oh. C'est pas un coffre rouge, c'est un coffre. Ah oui, c'est un coffre normal. C'est un coffre avec Attends, je suis sûr. Non, SMG, le sniper m'intéresse pas. Je te laisse le SMG comme tu as souvent des problèmes d'argent dans le jeu. Oui. Et bah alors, on a oublié d'ouvrir ces casiers. Apparemment, ouais. Il y a des trucs en hauteur. Ouais. Parcours. Parcours. Et il y a un autre coffre. Ah. Alors, un fusil à pompe. Oh. Oh. Ouais, oh. Bon. Oh. Dégâts moins 2%. Dégâts moins 23. Dégâts au corps à corps. Vitesse de recharge. Tirer plus 2. Dégâts moins 2%. Ah bah je vais prendre celui-là. Il est meilleur. Alors, du coup, notre cher. Donc là, on doit tuer l'irascible. Et alors, est-ce qu'on peut hack le jeu? C'est sérieux? Aussi loin? Voyons. Donc là, c'est terrible, GG. Un peu trop loin. Faut que je me rapproche. Ah, coffre rouge! C'est sérieux, et je suis dessus là! Oh, 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 il va te plaire! Oh, j'arrive! Attendez-moi, j'arrive! Hop, qu'est-ce que nous avons? Oh! Oh, je vois de loin! Attends. Oh non, tu peux le prendre, il est moins beau que celui que j'ai! Sérieux? Ouais, le mien il fait 925! Un gros boum boum! J'attends Jake, il va jouer que... Ah tiens, il y a un mode de classe pour toi. Ah. Ah mais ouais, mais le... la partie était pas chargée. Toi déjà t'es mort. Toi t'es mort aussi. Toi là-bas. Ah non, et là non, vous avez vu le chat. Hein. C'est une honte. Ça passait. Hein. La balle est passée. Toi t'es mort. Il est où le dernier là? Où est-ce que tu te caches, Michel? Voilà. Hop. Et le dernier. Non, c'est pas passé. On recherche. C'est bizarre, c'est que mon snipe il est bien, mais il fait que 3 balles. Allez, voilà, cache-toi. Arrête de bouger! Voilà. Il y a pas de... Bon, toi je vais te taper le corps à corps. Ah oui, ah oui, d'accord. Oh merde, il y a un sadique de pyro qui arrive. Bonjour monsieur. Ah bah. Au revoir monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Belle barbichette. Regardez, il y a que ça. Voilà, hop. Donc on a fait cette quête. On a détruit les 3 bateaux. Par contre, là-bas, ouais. Là-bas, il doit y avoir quelque chose. Voilà, on entend, c'est quoi la map? Bah non. Ouais. C'est sûrement pour un autre boss. Ah bah tiens, il y a des méchants. Des méchants. Ça, après, on va pouvoir aller chercher du poisson frais. Il est frais, mon poisson. Il est pas frais. Comment ça, il est pas frais, mon poisson? Fais vite de mon sang. Tu vas sentir les salauds dans ton genre.
dans le mille. Là, je pensais qu'on allait pouvoir faire le tour, mais apparemment non. Est-ce qu'on peut griger le jeu ou pas? Non, on peut pas griger le jeu, on va faire tout le tour. Zverdi! C'est bien, au moins, ça on ouvre des caisses. Ah bah, bonjour monsieur! Au revoir monsieur! Voilà. On fait notre petite promenade de santé. Bon, après la quête, elle était level 27, on est quand même 3 levels de plus. Hein. Alors, le poisson. Où qu'il est, le beau poisson? Ah bah tiens, on a bien fait! Un coffre rouge. Bien, oh. On a des armes ici. Alors, les petits snipers, eh ben ils sont tous les deux moins bons que le mien. Alors, attends. Alors, l'un c'est 298 et l'autre c'est 197. Bof, bof. Bon, je te laisse prendre le verre. Comme ça, toi plus d'argent. Alors, le poisson. Ah, attends, il y a plein de choses à ouvrir. Mais attends, moi je pêche le poisson. Voilà, hop, regarde, j'ai récupéré plein de poissons. Ah, parce qu'en plus, on a fait tout le tour pour rien, il faut faire les plusieurs trucs. On va devoir faire tout le tour encore. On aurait dû le faire tout de suite. Oh mince. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors ça, je le garde. Ouais. Toi, je peux... Donc je te laisse lancer une grenade et tu vas voir... ce que ça fait. Là ouais ouais, donc tu la lances où il y a l'objectif. Où il y a une canne, tu vois, il y a une genre de canne à pêche. Et tu la lances où il y a la ligne de la canne à pêche. Et tu fais 54. 54. Mais non, là. Là, Jack, là. Ben je sais pas, le point il est là. Mais non, mais on l'a. Mais non, il est fini le point là. Le point il est là. Il est là. Allez, là, c'est la grenade là-dedans. Voilà. On a récupéré 5 poissons. Attends, c'est quoi la description du poisson? Aussi délicieux qu'un poisson. Une description pêche. Bah là, ils en ont un, oui, oui. C'est aussi délicieux qu'un poisson pêché à la dynamite dans une mare d'eau putride. Donc, ça promet. Et du coup, là, en fait, on doit aller de point en point pour choper les poissons. Donc là, il n'y a plus qu'un seul point. Donc, hop. Si tu te souviens, dans le dernier stream, je me disais, mince. Il y avait... Ah bah non. Ah, sérieusement, ils en donnent que 3. Ah bah non. Bon bah c'est bon, on a fini la quête. On peut partir. Comme ça, on avancera un peu sur la quête principale. Hop. Cible touchée. Le dernier, il est parti. Je suis bloqué. T'es bloqué de où? Qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est bon. Je vais faire le tour, hein, parce que passer par les passages où tu passes... Bah non, je suis la route. Je suis là. C'est la route, je fais un peu de parcours au passage. C'est la route, hein. Suivez la route, monsieur. Je suis mauvais, je suis. Voilà. J'aime pas quand les ennemis bougent. Vous pouvez rester immobile, s'il vous plaît, monsieur. Dieu qui s'est dit. Non, mais je suis sûr que t'as un talent où Sanguine, elle doit voler l'argent. Peut-être, je vérifie après. Prends l'argent, Sanguine. Est-ce que Sanguine est affilié au Balkany? Oh. Le talent Balkany pour Sanguine. Alors, hop, on ouvre tous les coffres, on récupère des munitions. Moi je suis bloqué. Non, j'ai réussi à me débloquer. Ah. Et du coup on va pouvoir changer de zone. Enfin on va faire les autres quêtes, je pense. Et comme ça on va pouvoir... faire la quête principale et trouver l'avant-dernière ou la dernière pièce de l'arche de mémoire. C'est l'avant-dernière, je crois. Il y en a 4. Alors, et en plus, passage, on peut vendre nos objets et voir si il n'y a pas des nouveaux boucliers à acheter. Je gagne 56 000 $ pour avoir vendu tous mes items qui ne servaient à rien.
Les trucs ne servent à rien. Et ils vont un seul bouclier qui est nul. Ah, c'est cool, c'est sur celui-là, tu peux. On peut acheter des grosses améliorations. De. Ah! De. D'équipement. Mm-hmm. Oh, punaise, du violet. D'accord, ouais. Ouais, voilà. Ah, ça coûte cher. Ah, ouais. Et si je te dis que j'ai réussi à tout acheter? Sérieusement? Oui, et qu'il me reste encore 193 000 dollars. Putain, moi, il me reste 2000. Mais qu'est-ce que comment tu fais pour pas avoir autant d'argent? Ouais, je sais pas. Tu vends tes armes ou pas? Bah oui, quand même. Après si t'as une arme qui est un peu meilleure, t'es pas obligé de. Bah, j'étais à 300 000, et là, je me retrouve à 2000. Et t'as tout acheté? Ouais. Bah, à coût de 60 000, ça part vite, hein, les kits optiques. Oui, quand même. Après, on va faire le cercle du massacre. C'est assez facile. Hop. Ah, mais tu es en menu. Tu me dis quand c'est bon. Hop. Du coup, là, c'est la petite arène qu'on avait fait. On va devoir survivre à 3 vagues avec des ennemis plus puissants. Et alors, du coup, par contre. Fais pas ton timide, l'autologue, la location d'auto, quoi. Tous dans la voiture, c'est parti. En voiture, tout le monde. En voiture, tout le monde. Plut, plut. C'est bête, je peux pas. Ah oui, c'est vrai, il y a les hyménoptères. Hein. Donc là, on peut descendre. Déjà? Oui, vous êtes bien arrivé à destination. Parce que la reine, souviens-toi, elle est à gauche. Là. Oh, des ennemis. Where are you? Et en haut. Il fait du strafe. Dans le mille. Il donne que 2 points d'XP. Alors. Oh, ils sont que level 21. Ça passe. Oh là, j'ai pas vu. Ils sont que level 21. Oh là, ça passe. Facile, on a 9 levels de plus que. Et hop, c'est lui là. Chuck Durden. Alors, il donne de l'XP. Ah si, il donne quand même de la vie. Des sous-sous. Il y a un ennemi là-bas. Ah, je suis mauvais. Bon, bah, je tue. Eh, viens, je t'atteins. C'est parti. Hop. Donc là, attention, ça va spawn. Il va y avoir des voitures, c'est ça? Non, c'est... C'est une trop petite arène pour les autres. Là, les mecs, ils sont quand même level 26. Chaussettes. Ils se font laminer. Sachant que ça, c'est la première vague. Hein, donc, J'ai ma vie un petit peu. Oh, j'ai voulu me tuer. Je me suis dit. J'avais même pas. Bon, tu l'as eu? Ah ouais, j'ai mis sur raise. Allez. C'est parce que en fait, je vais faire mon succès steam avec les dégâts corrosifs. Et après, je change d'arme. Il est où lui? Il est caché. Voilà. Ah bah voilà, c'est bon. J'ai mon petit succès. Est-ce que tu
Je veux une arme corrosif pour faire le succès également. J'ai sanguine. T'as sanguine? Ah bon, ouais, nickel. Okay. C'est parfait. Ah, c'est plusieurs... Ah non, on ressort. En fait, c'est tu dois tuer 25 personnes. Pour les succès, c'est 25 personnes en tuant avec des dégâts électriques, des dégâts machin. Oh, par contre, le bouclier, il est très bien. Le bouclier qu'on a reçu, 512 de contenance. J'ai pas fait gaffe. Oula, ok, d'accord. Ok, d'accord, ok. Alors, c'est lequel qui lance un... Il y en a plusieurs. Ok. Ah, ils ont masse vie, hein. Ouais, ouais. On va lancer des grenades, hein. Je balance toutes les grenades. Voilà, hop. Hop, c'est bon. Celui avec le lance-roquette, il est mort. Un deuxième mort. Et c'est que la deuxième vague. Hein. Ah oui, mais en plus, c'est parce qu'il y a quoi? Il y a un bruiseur. Il y a des bruiseurs et un bruiseur brutal. Ok. J'essaie de... Oh merde. J'arrive. Mais ouais, mais toi, tu cours sur les méchants. Mais non, je suis caché dans l'herbe. C'est chaud. Merci. C'est les deux brutales là à tuer. Non, je suis mort. Viens sur moi. Non mais, il moi. Voilà. Il est où le deuxième? Ouais, non mais le brutal il prend rien comme dégâts là. Ah oui, niveau supérieur. Ah oui. Maintenant le dernier. Ah et... non sérieux, il y en a encore. Vache. Hop. C'est comme si j'avais mon espoir. Ouais, compliqué cette vague. Hein. C'est un peu Noël. Par contre, le fusil à pompe, il me plaît bien. Je vais améliorer ma mon fusil. Attends, à pompe. Parce qu'il y a des choses dans l'arène. Vas-y. Moi, faut que je mette mon point. Alors, tuer un ennemi augmente votre cadence de tir et de réduire le recul de votre arme ou améliore les dégâts et la dispersion du shotgun. Je vais prendre le shotgun, s'il vous plaît, madame. Ah, t'as dit qu'il y avait un bouclier. Ouais, le bouclier, on a chopé un bouclier qui fait 512 de capacité. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai eu un bouclier 432 de capacité. T'es sûr? Ah non, t'as dû l'avoir, regarde bien. Ah non, je suis dans mon inventaire, là. Et bouclier, symétrical dilution, capacité 432, cadence 70, très grande résistance à la corrosion. Normalement, t'as pas un PNG2 OBS Symmetrical Fortified Shield? Non. Bah, techniquement, on a tous les deux, quand on rend la quête, on a tous les deux la même arme. On a tous les deux les récompenses. C'est un bouclier vert pangolin. C'est un bouclier de violet et il a plein de fioles jaunes autour. Bah, c'est pas lui alors. Et t'as pas d'autres boucliers? Bah, à part celui que j'avais déjà sur moi. Et c'est celui que t'as sur toi, c'est lequel? Rapide Uni-Elding Shield, et je l'ai déjà depuis un bon moment. 449 capacité, cadence 81. T'as pas celui-là? Ah non, pas du tout, non. Ah, c'est bizarre. Attends, j'hésite là. Non. Ouais, franchement, techniquement, on a tous les deux le même... Non, ça, je vais le vendre. Bah du coup, ouais, je te laisse rendre la guette au mec alors pour voir si tu récupères l'item ou pas. Non, ça fait rien du tout. Tu peux pas lui parler? Non. Sérieusement? Et est-ce que t'as la quête round survécu? Sur mon affichage? Ouais, oui. En haut à droite.
Oui. Et si tu lui fais E devant lui, il tape pas. Il me... Ah, ça c'est affiché. Si, ouais, il faut faire E, tu rends la quête. Voilà. Donc on a eu tous les deux l'XP, et normalement t'as eu un mode de classe pour soldat. Là, j'ai eu un mode de classe, ouais. Et bah techniquement, le bouclier... J'ai un mode de classe chasseur, pas soldat. Ah oui, voilà. Donc, donc ouais, c'est peut-être pour spécifier à la personne, alors. Bon, c'est bizarre. Par contre, bah on a fini... Ah non, mais non. La dernière manche. Moi, je le vends, le mode de classe, je trouve pas top. Oui, oui, vas-y. Moi, j'ai vendu le mien. Et là, du coup, c'est la dernière manche. Hein. Donc, Ah bon, déjà ? Oui, oui, il y a toujours trois manches dans ces quêtes-là. Et du coup, c'est la plus dure. Hein. Bien évidemment. Ok, d'accord. Les salauds, ils ont fait spawn sur la droite. Sanguine, elle a un talent pour récupérer de la thune. Ah, j'ai pas regardé encore. Ouais, c'est pas grave. Ah, mais ils sont deux. Ah. Mais d'accord. Mais... Adieu. Mais je peux même pas 13. C'est quoi ce bug? J'étais en train de te raise et il me disait que t'étais plein. J'étais plein que je pouvais pas récupérer. C'est l'erreur que j'ai eue quand j'ai parlé au mec. What? Bon, on peut recommencer. Maintenant, on saura que c'est sur la droite et la gauche. Et il y a encore un bruiseur avec un lance-roquette. Alors, attends, je vais recharger toutes mes armes. Je sais pas si ta compétence elle est chargée à fond. Oui. Hop, moi elle est pas encore. Si on peut rentrer. C'est bon. Ça devrait passer. Du coup, ils arrivent sur les côtés, attention. Côté gauche, côté droit. Voilà. Le lance-roquette en plus c'est un dégât corrosif quoi. Vas-y, faut qu'on court. Ah mais c'est que des brutales en plus. Oh oui, colle-toi moi, c'est bien. Arrête de bouger. J'aurais pas réussi à le risque. Merci. Voilà. Ah oui. Ah, c'est terminé. Ah non, mais bien sûr, on se met derrière. Faut tuer le bruiseur brutal là-bas. Non, t'es mort. Non, c'est mort. On est tous les deux morts. Ah, dommage. Oui, Wedgers, des brutaux. Que des brutaux. Oui, mais non, puisque dans le monde de Borderlands, ça s'appelle un brutas, des brutas. J'ai le droit. C'est dans le lore du jeu. C'est vrai que pour les noms propres, on n'est pas obligé de... Non, dans Borderlands 2, justement, tu as des niveaux de brutas. Et ce sont des ennemis brutas. Ce n'est pas une faute de français. Tout ceci est expliqué dans le lore. Allez. Ah, bien sûr, ils spawnent derrière. Voilà. Et moi, je lance mes grenades. Hein.
toutes les grenades. Il y a ça derrière, non? On a roulé. Déjà, on va tuer. Il se cache en plus. Oula, viens vers moi, viens vers moi. Yes. Alors en fait, changer de gun, mais c'est pas beaucoup de balles. Alors attends. Oui, de la vie. En plus, c'est vrai, je suis bête, j'avais pris de la vie avec moi. Alors attention, deuxième vague. Ils spawnent. Ils sont cachés. Ça a bugué. Non, c'est toi qui parles. Ça a bugué, Jake. Mince. Allez, ils arrêtent de spawn. On est trop fort, ils ont eu peur. Non, mais ça, c'est qu'en fait, on va devoir quitter, recommencer. Il est marqué point de repère atteint. Je sais pas, bizarre, il qui met ça. Généralement, ils doivent spawn. Ouais, quand point de repère, c'est parce qu'on est sur le truc. Oh non, mais sérieux. Bon bah je te laisse quitter. Faut vraiment quitter Alt F4 ? Non, quitter la partie, bouge pas. Tu vas être déco. En effet. Zut alors. Hop. Il va falloir recommencer, bien évidemment. Attends, recommencer tout ? Recommencer le round. Inviter des amis, Drake Ivasound. Et après, je vais dans le salon. Et j'attends que tu arrives. Yes. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu notre XP et on n'a pas perdu. Nos armes récupérées. Oui, il joue mieux. Ouais, c'est fait. Hey, t'es prêt à y aller ? Oh, on revient là. Ouais. Je suis motorisé. Bon, tant pis. Hein. Du coup, on va devoir se retaper les petits mecs pourris. Juste avant. Un point d'XP. Ouais, ils donnent 2 points d'XP. Ils sont level 20, hein. Que non, tiens, la porte est ouverte. Mais. Ouais, non, c'est bon, la porte est ouverte. Autant profiter sur les caisses de munitions, quoi. Hop. Surtout que moi je vais vendre. Oh! Côté de barrage, équipe de chargeur équipe, compétence impact. Ah! Pourrait être pas mal celle-là. Régénération munitions équipe, compétence. Oh, mais non, c'est pas la compétence que j'ai. Bon. Bah, c'est parti, hein. En espérant que ça ne bug pas. Donc, sur les côtés, on n'oublie pas. Allez. Voilà. Vas-y, finis-le. Yes. Bah. J'ai la corrosion. De la vie. On va se régénérer de la vie.
Oh, attention. Je sais. Il lance des grenades et tout, quoi. Hop, déjà un en moins. Oh, j'en ai plus deux. Attention, il y a des petits qui font chier. J'essaie en fait de tuer l'autre derrière qui se cache là. Derrière toi. Hop, c'est bon. Oui, ils sont attirés par toi, je t'aime bien. Ils sont trop petits, je les vois pas. Non, ils sont morts, J'essaie de les tuer au snipe, parce qu'apparemment, snipe ça fait pas mal de dégâts. Mais moi, ça me tue que c'est. Et les mecs, ils ont des mitraillettes. Et ils arrivent à tirer aussi précisément qu'un snipe. Hop. Ah, attends, il est caché où lui. C'est bien, mon snipe il fait du feu, mon oiseau il fait de la corrosion. Ah, c'est cool ça, c'est pas mal. Il y a un truc au-dessus, non? Au-dessus de moi? Non, non, il est caché là. C'est bon, il est là. Pouf! Allez, troisième vague. Voilà, voilà, ça pique là, ça a piqué. Hop. Je peux heal ma tourelle, tiens. Oula, 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 oula. Attends, laisse-moi. Ah, trop tard. C'est bon. J'ai plus que 4 de vie. Vite, l'huile. Bouge pas. Comme ça, je peux te heal. Voilà. Ah la vache, c'était chaud. GG. Ah la vache. Bon, allez, on nettoie l'arène. Ouais. Récupérons le loot. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Sanguine, en fait, t'as juste à récupérer. Tu spams Sanguine sur des petits monstres. Et en fait, tu récupères des os. Je te laisse prendre celui-là. L'arme derrière, il y a un fusil à pompe. Je te laisse prendre aussi des munitions. Ah ouais, c'était compliqué cette quête là. Alors on va la rendre. Et on a récupéré. Faut que je récupère une mitre. Un fusil d'assaut. Ouais, je vais y arriver. Et par contre, ça, c'est. Bon bah, du coup, on a déjà fait une quête, donc c'est pas mal. C'est un point de compétence. Alors, on avait dit l'oiseau pour l'argent, c'est ça? Ouais, normalement, tu dois avoir une compétence. Ici, augmente un dégât, un peu plus XP, vitesse de recharge, capacité de snipe, toucher, réduction de latence, les balles, les boucliers, augmente les dégâts de sanguine et la vitesse de sanguine. Il lâche un. Ah ouais, c'est un petit peu plus d'argent, je suis à 1 sur 5 sur ça, mais ouais, en effet, je. Ouais, c'est ça. Ah oui, super. Voilà, on va gagner un peu plus d'argent encore, voilà. Ouais. On va gagner 10 sous. Il faut que je parle au monsieur pour la quête. Non, c'est bon, elle est faite. Donc normalement t'as eu l'item et t'as eu l'XP. Peut-être. Et du coup, là, on a la quête où on doit tuer l'anéantisseur. Et après, on va aller tuer Taylor Cobb. Et ce sera la quête principale. Et après, il y a une autre quête où on doit aller à Old Haven. Mais ça, c'est. En fait, c'est quand on ira rendre toutes les quêtes. Parce que Old Haven, en fait, c'est juste à côté. Donc là, est-ce que. Si je regarde la carte. C'est par là. Donc. Let's go. Parti. Alors, attention. Oui, ça y est. C'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. C'était par là. Tu peux tuer les mecs derrière hein, si tu veux. Trop vite pour que je tire.
Non mais tu restes toujours derrière. Tu peux tirer, c'est la lance-roquette. Ah. C'est la lance-roquette. Ouais, ça fait plus de dégâts le lance-roquette. Des tonneaux. Oh là oui, bien. Mais j'évite le tonneau, mais j'arrive pas à éviter le gros truc là. Le gros trou. Non mais sérieux, poteau. On va changer de zone. Hop. Alors, où est-ce qu'il est l'anéantisseur? Il est par là. Est-ce que... Eh ben, on va aller faire la quête principale, en fait. Comme c'est dans... Comme on est dans la zone de la... la quête principale, autant y aller. Alors, il faut aller tuer Taylor Cobb, qui est sûrement en haut, et ah bah non, il est par là-bas. Et après, on va devoir parler à son claptrap. Donc oui, c'est ça, Taylor Cobb est en haut. On va monter par là. Franchement, j'ai vraiment du mal avec... Hop, on se met là de façon. Est-ce que tu peux tirer? Voilà. Et c'est parti! Il est dangereux ou pas? Je sais pas. Par contre, je vois qu'il y a des tourelles Gatling. Cible touchée! Oh! Un défi. Ah, je savais pas. Ou alors t'as pu tuer un Brutus. Il y avait pas les tourelles Gatling là avant. J'arrive pas à bien viser la tourelle. Parce qu'elle te tire dessus. Voilà. Après, on peut avancer. Hein. Ah, ok, j'ai compris. Oui, mais non plus, j'arrive pas à la viser. Je suis juste à côté. Ah, c'est bon. Là, peut-être que je ne m'embête plus. Il reste encore un mec là-bas. Bandit des trousseurs. Oh, sérieusement. Bon, les mecs, vous m'embêtez. Voilà, la petite grenade qui fait plaisir. Ils étaient super low, les mecs. Je vais scotcher comme ça, tu fais très bien. Hop, bah il est où le mec, Taylor Cobb? C'est génial. Tu vas couiner quand on fera bouillir. Dans ils vont nous faire bouillir, apparemment. Hop. Ah, le bloc. Oula, d'accord, c'est bon. Oh d'accord. Merde! En plus, c'est des tourelles lance-roquettes en plus! Alors, de mémoire, je crois que si tu tires, tu peux essayer de tirer sur les roquettes pour. On en a eu chacune. Ouais. J'ai plus de. Mon Piaf, ça lui a rien fait? Allez, il a été immunisé? Ah, peut-être, hein! Il y a un coffre en route arrière. Ouais.
C'est juste que j'essaie de le tuer parce que... Parce qu'il a un lance-roquette et bien sûr j'ai pris son lance-roquette alors que je ne le voulais pas. Tiens non, je fais longtemps. Alors attends, le lance-roquette qu'il a donné là, c'est quoi? Oui, il m'a chou. Alors le lance-roquette, très bon contre la chaleur. Alors je vais griller quelqu'un aujourd'hui, c'est du 756 en dégâts de feu x4. Est-ce que ça t'intéresse? Combien t'as dit? 756 en dégâts de feu. Non. Ah par contre lui... Oh, ah oui, en plus x3, oui quand même. Vas-y, let's go, prends-le. Okay. Alors si jamais quand t'es déjà dans ton slot d'armes que tu veux, t'as juste à maintenir... Comme là, si t'es déjà sur ton slot d'armes de lance-roquette, t'as juste à maintenir E et ça va les changer en fait. Ah, c'est pour ça que je pensais des fois j'avais des bugs d'armes, qu'il fallait que je rééquipe ce que je voulais, d'accord. Ouais, non, c'est quand t'appuies une fois sur E, c'est tu le prends, tu le mets dans l'inventaire. D'accord. Quand tu maintiens E, c'est je comprends c'est que mieux. Tu prends l'arme en main. Voilà. Et c'est ça va pour tous les objets. Hein. Je te le dis. Hein. C'est la même chose pour tous les objets, que ce soit les armes, les boucliers, les modes de grenade, etc. Okay. Il est où celui qui nous tire dessus? Il est là. Oh, ouais, tiens, mais il y a un magasin d'armes ici. Je l'avais même pas vu. Il était caché. Du coup, on va pouvoir vendre pas mal d'armes. Hop. À nous, les sous-sous. 37 x 8. Oui. Hop. Ouais, mais. Cadence de tir 1-3. Ah, ouais, l'autre, ouais. Autant le prendre parce que lui, il a une cadence de tir pourrie. Coffre rouge. Oh. Ennemi. Ouais. J'arrive. Mais au moment où je lui tire dessus, il s'agenouille quoi. Alors qu'est-ce qu'on a dans le coffre rouge? Une mitraillette. Super. Je m'y attendais pas. Et un fusil. Eh ben, moi, je veux bien le fusil à pompe. C'est on dirait trop long. On explose. Deux, j'ai pas entendu. Le tromblon, c'est un peu comme ça de s'animer à Albert au 5ème mousquetaire. Oh, avec son tromblon à la sauce bolognaise. Je ne connais pas. Désolé. Oh non. C'est trop vieux pour moi, j'ai. Mais non. Bah si. Mais non. Si. Eh, je vais regarder le. Je vais regarder. Non, je vais demander. Je cherche pas. Ok, écoutez. En quelle année est sorti Albert le 5ème mousquetaire? Que nous dit Google? 94. 94, j'avais moins 2 ans. J'étais pas né, Jack. La première diffusion est à 94, ça veut dire que ça a été diffusé au moins jusqu'en 2001-2002. Non. Ça a été diffusé sur Canal+, Canal+, puis ensuite sur France 2, France 3 et dans les minicam et tout ça. Oui, moi, quand je regardais les dessins animés, c'était la période fin des minicam. Parce que je sais, j'adorais les mini-com. Mais c'était sur France 3, le dimanche matin. Mais. Ah non, non. Sur Canal Plus, bah, déjà, moi, j'avais pas. Canal Plus, c'était le dimanche soir sur sa cartoon. Oui, mais Canal Plus, en clair. Père, cartoon, mais non, Albert, le 5ème mousquetaire, je ne connais pas. C'est Alfred ou Albert? Je ne connais pas. Alors.
Il faut qu'on aille par le claptrap. Mais non, non. Tu me dis Kangoo Junior. Bah c'est la même époque. Non, 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 c'était un Kangoo Junior, c'était sur TF. C'était sur TF1 et c'était dans les années 2000. 2002 même, je dirais. Parce que je regardais Kangoo Junior. Je me souviens, je me levais même le samedi matin à 7h pour regarder Kangoo Junior. Et après, je regardais les minicums. Et puis après, on arrêtait la télé à 10h. On arrêtait la télé à 10h. Là où t'avais tous les bons... les trucs, les dessins animés un peu pour ado qui passaient, type Wakfu. Bon, ça c'était bien après, mais bon. Du coup, on essayait de gruger à chaque fois avec mes frères. En mode. Attends, maman, on va finir l'épisode, il y a cette série qui finit, qui commence. Mais ouais, non. Je me souviens, Minicum avec le. L'épisode sur Zoro. Je me souviens ça, avec Josie Balasco. Faudrait que j'essaye de les retrouver, les épisodes des Minicum. Là, je sais pas si tu connais, j'ai réussi à retrouver Duck Dodgers. De quoi? Duck Dodgers, est-ce que tu connais Duck Dodgers? C'est le nom français ça? Oui, c'est le nom français. Duck Dodgers? Duck Dodgers. Duck Dodgers, hein, la rescousse! Duck! Tu connais pas? C'est les Looney Tunes, c'est Daffy Duck et tout! Oui, ok. Daffy Duck, oula! Récupère un morceau de la clé de l'arche dans Troche Côte. Donc, Duck Dodgers, là j'ai réussi à récupérer des épisodes en HD. De manière très légale, bien sûr. Tout à fait. Du partage! Oui, bien sûr. Oui, on partage. Mais ouais, non, Duck Dodgers, avec générique chanté par Tom Jones, attention. Et j'adorais cette série parce que quand j'étais petit, j'avais la cassette de les Looney Tunes passent à l'action. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là. Ça me dit quelque chose. Ouais. Les Looney Tunes passent à l'action et dedans, tu as un passage. C'est vers la fin de mémoire. Oui, c'est vers la fin. Où Daffy Duck veut sauver le monde et du coup il se dit mais moi aussi je suis un héros, je suis Duck Dodgers. Sauf que il doit mettre un missile dans son dos pour enfin un genre de jetpack. Et en fait à chaque fois qu'il dit Duck Dodgers, le missile explose. Donc il fait Duck Dodgers à la rescousse, ça pète. Duck Dodgers, ça repète. Il se tourne vers le dernier missile, il fait duck, boum, ça explose. Et à la fin, tu vois qu'il est dans l'espace avec son jetpack, et il arrive, il fait machin chose à la rescousse. Et sur ce coup-là, vaut mieux pas dire le nom. Et voilà, un des sketchs de Looney Tunes face à l'action. J'adore ce film. Faudrait que je le regarde. J'avais la cassette et le DVD. C'est dire. La quête. Y a un claptrap à droite. Par ici, y a un claptrap. J'arrive. Ouais, Looney Tunes passe à l'action. Surtout, le passage qui m'avait fait rigoler le plus, c'est. J'ai besoin de docteur. Le passage de Las Vegas. Ceux qui connaissent. Wait me. Du plein de munitions. Oula. Oui, là ils ont. J'ai dit wait me. Non, mais c'est je fais des crabes. Encore. Mais je sais plus c'est quoi leur. Efficacité avant tout. Voilà. C'est dommage, ils auraient dû mettre comme dans le 2 le fait qu'on puisse reprendre notre tourelle. Ah, mais ça, c'est. Ils ont. Entre guillemets, corriger ça après, c'est qu'ils s'en sont rendus compte. Ah oui, dans le 2, en gros, c'est Axton qui joue le rôle du... Enfin, il fait tank, DPS et support, mais c'est plus de rôle de tank. Tu peux déployer des tourelles, enfin sa tourelle,
et tu peux la reprendre. Et en fait, quand tu la reprends, ça réduit son temps de recharge. Mmh. Donc, c'est ça qui est cool. Et ces améliorations sont encore plus cool. Parce que t'as une amélioration, c'est... amélioration ultime, bien évidemment. T'as une branche, c'est... tu peux lancer ta tourelle un peu comme les grenades qui se téléportent. Tu vois, et elle lance des missiles, et quand elle est déployée, elle fait une mini-explosion nucléaire. Donc, ce qui est pas mal. T'as une autre amélioration où si tu peux déployer deux tourelles, et c'est des tourelles avec des boucliers. Donc littéralement, tu peux te cacher en dessous, en fait. Ça qui est cool. Et après, il y en a une autre... bah non, il y en a une, c'est les deux tourelles, et l'autre, c'est les boucliers. De mémoire. Il y en a un qui est caché derrière la pierre, ou c'est moi? Hop, le claptrap il est là-bas. Ouais, maintenant c'est des pierres. Et du coup, des fois le soir, quand je mange, je me refais des épisodes de Gudger. Avec Porky, Marvin le Martien et Daffy Duck en personnage principal. Merci. Hop. Reste dans la zone rouge, reste dans la zone rouge. J'adore ça. Ils sont beaucoup moins quand même. On va prendre de la santé. Ah non mais c'est des verres. Le claptrap est caché. Et en plus t'as un succès avec les claptrap. Ah ouais. En fait, il y a un succès, c'est de faire toutes les clés des claptrap pour augmenter à fond ton inventaire. D'accord. C'est génial. Pas ouf. Hop. Elle est où ? Tu vas le sentir. Alors, kit de réparation. Alors, par contre, je sais pas c'est quoi leur point faible. Je crois que c'est leur abdomen, comme ça. En fait, il est pas loin le kit de réparation. Ah, mais il faut faire du parcours. Ouais, mince. Faut faire du parcours, hein, faut remonter. Ah oui, tiens, et il y a... Mais attends, j'ai envie de tester un succès. Alors, le tue pas. C'est quel temps? Ouais, alors le tue pas et viens sur moi et on va sauter dessus. Enfin, attends, on va abaisser sa vie et il faut sauter dessus. Ah, il est là, celui-là, celui qui est là. Ici. Il faut lui sauter dessus. Ça lui fait un dégât. Oui, mais c'est normal. Vas-y, saute dessus. T'inquiète. On va débloquer un succès. Si j'ai regardé tout à l'heure, il y avait un succès Steam sur tout ça. Il est où? Il est là. Parce que en gros, t'as un succès, c'est tuer à la façon d'un plombier. D'accord. Le plus dur, c'est de rester sur sa tête. Il y en a deux, hein. Ouais, c'est pour ça. Vas-y, on prend chacun le sien, Bah, j'essaye, mais... Ah, parce qu'en fait, comme on est à deux... Allez, prends lui. Vas-y. Il est là-bas, lui. Après, c'est peut-être pas les meilleurs, mais... Super dur. Raté. Ah non, il a passé dans... Après, si t'as une arme qui fait vraiment pas de dégâts... Ah bah là... Attends, je vais essayer de péter une arme. Non, moi il est mort. Bon, après, il faudra
Il est là, lui. Il est là, le tien. On va passer une demi-heure à le tuer. Vas-y, je vais prendre l'autre, moi. Ah, mais non, mince. Tu vas pas le tuer. Vas-y, vas-y, vas-y. Let's go, let's go. C'est spécifiquement sur les crabes? Non, c'est sur tous les ennemis. En fait, c'est tuer un ennemi à la façon d'un plombier. Ok. Ça vaut pas, ça vaut pas. En fait, c'est bien sur le carapace. Bon, au pire, on peut changer. Oh, oh, attends, on peut l'avoir, hein. Ça va être long, mais on peut l'avoir. On a dû lui faire 60 déjà en ce temps. C'est perdu, c'est ce qui régène Patty. Non, je pense pas. Après, on peut prendre des mobs bas level au tout début et on leur saute dessus. Oh, tant qu'à faire. C'est le pire, c'est que je lui fais des critiques quand ils sont sur sa tête. Le chat, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vas avoir 30 minutes de VOD où on est juste en train d'essayer de faire un succès Steam. Alors, on passe, on change de mob. On va prendre un mob plus bon. Aïe. Il est derrière. Finir le jeu en ne sautant que sur les ennemis. Ouais, bah, aucun tir. T'as, t'as pas fini là, là. Là t'as pas fini. Bon vas-y, c'est pas grave, je pense qu'on va changer. On va prendre des ennemis plus bas level parce que sinon on en a jusqu'à... On en a jusqu'à minuit sinon. Alors... Il faut aller là-bas. Non. C'est bon, ça passe. Alors, bon, 4 fois que je monte sur ce truc, 4 fois que je tombe. Hein. Attends, il faut... Non, non, mais c'est bon, c'est pas là. Il faut aller sur le pipeline. Le pipeline qui est là-bas. Pour monter sur ce pipeline, il faut... passer par là, non. Il faut faire tout le tour. Tiens, y a une arme là. Alors, le pipeline. Oui, sadique brutal. Deux sadiques brutal. Hop. Maintenant, les pépères qui se cachent là-bas. Dans le mille. Hop. Donc là, c'est sur la droite qu'il faut aller. Si je dis pas de bêtises. Bah non, on peut pas. Comment on fait? On fait vraiment tout le tour, non? Sérieusement, il faut faire vraiment tout le tour complet, quoi. Bon, ouais, c'est parti. C'est pour aller récupérer un kit, quoi. Hop! Putain, je me dis j'arrive pas à avancer, mais ouais, mais normal, il y a un mob qui spawn. Hein?
Bah, je me dis, ah, je suis bloqué par un mob. Bah ouais, mais parce que le mob il spawn juste devant moi. Un fou impeccable. Ah. Bon, allez. Sérieux, je tue même pas avec mon lance-roquette. Je vois plus rien sur l'écran. Voilà, et du coup il ne reste plus que le brut, il ne reste plus que deux. Voilà, il n'en reste plus qu'un, j'arrive. Plus c'est un brut alcoolif. Voilà. Naze. Eh bé, ouais, comme tu dis, hein. La vache. Il nous en kikine. Alors, le tuyau. Il faut aller sur le tuyau. Et il va falloir faire du parcours pour pas tomber du tuyau. Le tuyau qui est là. Donc, il faut faire ça. Et il faut suivre le tuyau. Il faut pas tomber. Sérieusement. Ah bah tiens, c'est cette quête-là, je pense qu'elle va me donner un niveau en plus. Possible aussi. Parce que là, je suis à la moitié de ma dernière barre du level 30, 31. Je suis au début de la dernière barre. Ah. Alors, le kit de réparation du claptrap. Outil pour ouvrir tous les petits panneaux et les points d'accès des claptraps. Du coup, on peut aller lui rendre. Il y a pas un truc au bout du pipeline? Non. Non, il y a que le kit. J'aurais pensé aussi qu'il y aurait eu un coffre, mais non. Du coup, c'est bien, c'est qu'on va, on va pouvoir augmenter notre inventaire de 4. Donc, hop. Et voilà. Ah bah, même pas, il donne que dalle. Moi non plus. Il donne que dalle comme XP. Par contre, ça nous donne pas mal de... Ça nous donne 4 emplacements d'armes, donc ça c'est... Enfin, 4 emplacements d'inventaire. Ce qui est vraiment pas mal du coup. Du coup... On peut repasser côté des distributeurs. Mmh. Comme ça on peut... On peut... vendre nos items et après on va se battre contre un mini boss puisque nous devons surmonter un défi pour récupérer le fragment de la clé de l'arche. Okay. Donc c'est tout droit. Tout droit. C'est tout droit. Voilà. Les munitions, ça va encore. Ils ne donnent pas un bouclier, par contre. Non, les boucliers ne sont inutiles. Du coup, je te laisse vendre tes armes.
et on sera bon. Et comme ça, quand on aura fini cette quête-là, on va pouvoir aller à New Haven. Et on pourra faire la quête après de... Attends, Crom's Canyon, c'est pas où on est? Non, Trash Coat. La quête, elle est là. Une autre pièce du puzzle. Voilà. Et à Old Haven, on va pouvoir y aller après. Mais avant ça, on va pouvoir rendre les autres quêtes aussi. Et on passera au level 32. Et on débloquera un autre succès au level 40. Level 40 sur Steam et... Oula. Il y a du people là. Il faut... faut les tuer? Bon, on peut les tuer. Enfin, soit on les tue, soit on passe. Bah... je sais pas. Bon bah eux par contre, on doit les tuer. Aïe! Cible touchée! Attends, hop! Un coup nickel! Il y en a encore un à droite. Deux à droite. Oula! Il y a un roi. Je te laisse. Je te laisse le prendre, moi il m'intéresse pas. Allez, c'est parti! Attends. 66. 58. Et je cherche mes armes. Non, ça je vais. Ok. Ah bah tiens, ouais, on va se taper que des hyménoptères. Hein. Putain! En un coup, elle mange le bouclier! Aïe! Moi, elle m'a tué. Ah, il y a des racks. Ah, génial. Manquait plus que ça. Ah, je crois savoir c'est quoi le boss. Qu'est-ce qui t'en parle chez vous? Debout! Ah, ça m'inquiète. Alors, c'est mon jour de chance. Oui, 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 je sais c'est quoi le boss. Ah ouais, mais d'accord, c'est le tension, c'est normal que t'as plus de pied. Le tension, c'est les électriques. D'accord. Laissez-moi voir votre point faible. Voilà. Je deviens plus fort à chaque instant. Level 32. Wouh, ça en fait un autre qui mord la poussière. Voilà. Ah ouais. Je me fâche, c'est pas faux! Oh, sérieusement? T'as pensé mûrir? Ah, je sais que. Oula, 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 oula. Remettez-vous! Voilà! A touché! Voilà! Ouais, parce que j'ai vu des racks et je crois savoir c'est quoi le boss. Mettons notre point de compétence. Oui. Mettons notre point de compétence et on va... Alors, oh, alors augmente la vitesse de ton rechargement. Lorsque Sanguine frappe un ennemi, vous gagnez une quantité proportionnelle. Oh oui, oui, la santé. C'était pas déjà le cas ça? Pas encore. Non. J'ai gagné plein de grenades. Il est à time. Alors, niveau expertise, j'en suis où, moi? Level 11, level 4, level 3. C'est vrai qu'on a toujours pas débloqué les armes méridiennes, ça on les aura à la fin. Donc au moins, on est res. Enfin, si on res, on va mourir là-bas. Et je vais te dire ce que c'est comme boss.
Ah non, c'est pas ça. Attends. Oh si, c'est bien ce que je pensais. Oui, c'est bien le boss auquel je pensais. Donc Oh là 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 là, ça commence. Voilà. Tu te souviens de ce que je te disais au premier scène? Il a éclaté ses yeux. Oui, mais ça, c'est... Ça s'appelle une... Un monstre. Non, c'est une rack-hive. Rack-hive, qui est une ruche à rack. Donc en fait, ce monstre-là, les racks vivent dedans. Dedans? Dedans, bah oui, ils sortent par les trous. Tu vois? Et oui, les yeux sont pour faire des critiques. C'est en fait c'est un genre de mix entre Skag et Rack en fait. Ouais, je vois ça. Après alors bien évidemment t'as vu là j'ai détruit un œil, donc l'œil est détruit. Le mieux, t'inquiète pas, hein, fais pas de dégâts. Hein. Techniquement, l'enfer, mais bon. Mais ça me surprend d'ailleurs. En fait, ces dégâts, c'est elle envoie des racks. Mais ils sont aveugles ou quoi? Ils arrivent. J'ai même arrêté de bouger, quoi. Voilà. D'accord, je n'étais pas aveugle en fait. C'est elle envoie des racks explosifs. Moi, je fais du noscope. Après, tu fais que dalle hein, comme dégâts. Oui, mais au moins j'ai pas besoin de recharger. Ah, t'as toujours avec le petit flingue? Oui, ah bon, je l'aime. On va mettre 10 ans si tu fais ça. Ah, bah je fais des dégâts à 100, hein. Ouais, mais moi je fais des dégâts à 13 000 avec, en visant les yeux. Bah, en une seconde, en vrai, attends, je fais 10 tirs à la seconde, je fais 1000 à la seconde. Par contre, elle s'en va là. Oui, là par contre, les racks font mal. Ça sent mauvais ça. D'accord. J'ai besoin d'aide. Ah mais arrête de bouger aussi, c'est sûr que je peux pas te filer. Alors là tu devrais courir parce que vraiment c'est... Tu vois que c'est des dégâts corrosifs. Donc elle a pu... J'ai eu un succès, le roi de l'acide. Je sais pas pourquoi. Bah c'est que t'as tué 25 personnes. C'est comme moi. T'as tué 25 personnes avec des dégâts acides. Ah bah c'est sanguine. Ah mais sanguine, elle va chercher les oiseaux, elle va pas chercher la grosse bête. Oui, oui, tant mieux. Donc y'a plus besoin de viser les yeux, hein. Mais non, bah non, ils sont tous éclatés, c'est... Je les vois pas, moi, je vois pas la différence entre éclaté et pas éclaté. Bah... Tu vois pas qu'ils sont... Là, ils sont rouges. Non. Au niveau de sa tête, tu vois pas les yeux rouges? Non. Ah, moi, ils sont tout blancs. Ah, ils ont été blancs dès le départ. Ah, hein. Bah c'est peut-être un bug... Cours. Tu restes pas dans un... Non, je l'aurai. Et du coup, on a fait le succès ruche détruite. Attends, il y a un camp. Ah non, c'était 5 minutes. Et voilà. On a tué une rack hive. Alors, sachant que ce boss va revenir dans Borderlands 2. Il aura même un nom qui s'appellera Bosco. D'accord. C'est super. Alors que bien sûr, il y a du loot partout. Il y a des sous-sous partout. Et c'est ça. Hop. Ah mais évidemment, on peut pas traverser le modèle. Et il y a des coffres. Ah, elle a éclaté de l'intérieur. Oh, c'est dégueulasse. On voit les intestins qui bougent et tout. Attends, je vois pas. T'es passionné par les intestins qui bougent. Où ça? Ah oui, t'es monté dedans. Ah ouais. T'es monté dessus, j'arrive pas à monter. Comment t'as fait? Là, par là. Ouais, mais j'arrive pas, il veut pas. Ah si. Ah oui, ouais, tu vois que ça bouge encore. C'est bien fait, hein, quand même. Mm. Ça me fait penser à un plat de spaghetti. J'ai des spaghetti carbo, ça. Oh, t'es dégueulasse. Ah, j'ai une question là sur le mode de classe. Oui. Alors, actuellement j'ai équipé obtention objet bonus équipe plus 3, compétence maraudage plus 2, pillage plus 2, vampire plus 3.
Et là, je viens de ramasser. Dégâts de sanguine plus, 48%. Impact aérien plus 2. Frappe agile plus 2. Vampire plus 3. C'est mieux que je garde l'ancien ou que je mette le nouveau? Bah, c'est. Vampire, c'est pour le heal, donc ce serait pas mal. Vampire, dans tous les cas, c'est plus 3 des deux côtés. Et c'est quoi la différence entre les deux? Équipe, bonus d'équipe objet plus 3, maraudage plus 2, pillage plus 2, ou alors dégâts de sanguine plus 48%, compétence impact aérien plus 2, frappe agile plus 2. Fais celui avec sanguine, les dégâts de sanguine. Ouais, parce que moi j'ai déjà les boucliers pour nous deux, donc t'inquiète. Ok. Et du coup, viens, on va aller chercher notre clé de l'arche. Notre clé de l'arche, elle est dans la grotte. Oula. Il y a un autre ennemi. Je me souvenais pas de lui. Non, non, oui, il y a un massif, bien massif. Il y a que ceux qui sont dans les airs qui. Ils nous attaquent pas. Non, ils nous attaquent pas. On va dans la grotte alors. Ah, si, si, ici. Si, si. C'est parti. Oula, faut pas tomber là. Du coup, on a notre coffre. Alors, une autre pièce du puzzle. Et il est marqué, il est froid au toucher. Et on a des sous-sous. Je suis en train de sauter sur ta tête. Alors, ici, nous avons deux solutions. Soit on fait le chemin en sens inverse. Ou alors on meurt. Soit l'un de nous deux se suicide. L'un de nous deux ? L'un de nous deux. Si ça, si un meurt, en fait, ça retépé. En fait, non, regarde. Non, 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 non ! Ça va me TP à la zone de sortie. Donc, ouais. Moi, je suis plus proche pour le TP après, en fait. Hein. Ça nous évite, ça nous fait gagner 2 minutes. Tu perds des choses. Bon, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Je suis pété de thunes. Oh, pardon. Je suis pété de thunes, monsieur. Enfin, voyons, j'ai fait un prêt à 40% avec tous les bitcoins que j'ai vendus. Tu verrais sur Borderlands 2, quand on fera Borderlands 2, donc dans longtemps. Je te montrerai mon perso level max. Okay. Je crois que je dois avoir 10 millions de dollars, un truc comme ça. Oh, ça va. Parce que j'ai fait les 3 modes, donc bah voilà. Ça il me sert pas. Ouais, ça je me sert pas trop. Alors la TP elle est là-bas. Et du coup en fait je vais prendre la TP et ça va te TP aussi en fait. D'accord. Et du coup, on va se TP à New Haven. C'est à New Haven quand... Ah non, c'est pas à New Haven. Ah ben non. C'est au Claptrap qu'il faut rendre la quête, je crois. Donc hop, normalement tu vas être TP, ouais, TP avec moi. Et bah si, c'est... en fait c'est à New... Ah tiens, une nouvelle quête. La nouvelle maison. Ouais. On va aller rendre les autres quêtes d'abord. Du coup, attends, on va être re-TP. Et là, on va prendre le vrai TP. Ah, il y aura 3 TP. Bah en fait, normalement, techniquement, j'aurais dû prendre le TP directement sur New Haven, en fait. Mais bizarre, il me dit que la quête, elle se rend pas là. Alors, tu me diras si t'es... Là, t'as quoi comme chemin de... chargement? 15%. Mais, non, mais je veux dire... T'es à New Haven ou t'es... Bah, je suis avec toi, là. Ah oui, ouais. Non, mais c'est... Non, je pensais que ça allait peut-être te faire bugger. Alors, on a tué les 3 bateaux et on a récupéré un lance-roquette. Bon, bah, salut. 845... Oui, 639, donc il peut être très utile. Ah, mais ouais, mais l'autre il fait x3 quoi. Bah non, c'est à qui qu'il faut rendre la quête de. Ah non, il faut aller la rendre à Tanis. Ok. Bah du coup, on va pouvoir aller rendre les quêtes au.
au tableau des primes. Earl le Dag a de nouvelles missions à confier aux chasseurs d'arches. Oui, oui, on y va. Les poissons qui nous donnent un lance-roquette. Ça fait le deuxième lance-roquette pour ça. Ah, mais il est moins bon par contre. Ah, mais c'est des tirs en mortier, regarde. Attention, regarde. Attention là-dessus! Attention, ça redescend. Oula, alors ça a fait baisser mes FPS de 60 à 4. Tu m'étonnes. Attends, on recommence. Oula, oula, oula. Le jeu va pas aimer, le jeu va pas aimer. Chaque explosion, je perds. Tape pas le micro, Draken. Je tape pas le micro. Ah non, c'est parce que j'ai tapé dans la table. Ah. C'est pour ça. Désolé. On peut aller faire la fumée. Y'a pas d'autres choses à rendre ? Bah non, j'y vais que ça. Oula, oula, oula. Le jeu, y a pas aimé les doubles chargements. Là. Est-ce qu'on peut prendre d'autres armes ? Oh ! Oui ! Oh, je prends tout de suite l'arme du jour. Flingue légendaire. Légendaire ? Légendaire. Regarde. Attends. Tu l'as. Comme je l'ai acheté, tu l'auras pas. Et il est par terre, regarde. Regarde les... Puissance de feu infinie, ça veut dire qu'il a des munitions infinies ? Je sais pas. Non. Ah si ! En fait... C'est vrai ? Alors attends, t'as pas un mode qui recharge les munitions ? Un mode qui quoi ? Est-ce que ton mode de classe recharge les munitions ? Bah non, c'est moi. Enfin, ça recharge tout seul, mais... Bah en fait, quand je tire... Tu vois, je suis à 6 sur 134. Je tire. Et en fait, quand je tire, ça recharge automatiquement mes munitions. Pendant que tu tires ? Ouais, bah vas-y, je vais te montrer. Allez. Maintiens E dessus. Je m'y attendais pas. Et en fait, il régène les munitions automatiquement. Parce que c'est une de ses caractéristiques. Tu vois ? Ouais. Parce que dans ses caractéristiques, ça régène automatiquement en fait. Ouais, alors comment je fais pour te le donner ? Tu mets ta souris dessus et tu appuies sur espace. Ben c'est génial ! C'est ça. Hop, et du coup on peut y aller. Recharge. Non, c'est bon en fait, il se recharge automatiquement ? Non mais les cartouches. Bah il le fait automatiquement ça. Dès que tu prends une arme en main, ça te... D'accord, ok. Ça te recharge automatiquement le chargeur à fond. C'est même des fois une technique, si t'es un dieu des APM, t'arrives à ouvrir ton inventaire, tu vides ton arme, enfin tu lâches ton arme, tu reprends ton arme et hop. Hein. Tu voulais pas tuer tes petits mobs, trop tard. Non. Là, on va faire la quête l'anéantisseur et rendre la quête. Voilà, c'est la vache. Alors, il y a la quête, ouais, c'est ça, la quête à Tanis et tuer fumée à Old Even. Donc là, on peut aller à Old Even. Hey, t'es prêt à y aller ? Prends le véhicule. Bonjour ! Nouvelle mission à confier aux chasseurs d'arches. Il va nous le dire tout le temps. Hein. Tant qu'on n'a pas été... À chaque fois qu'on va changer de zone, il va nous dire « Hey, il y a des nouvelles quêtes !» On le sait, Claptrap, on le sait. Sinon, ça va être quoi, les quêtes de Earl le Dag ? Oula. Ça fait peur. La physique, c'est pas ça. J'ai oublié d'équiper mon parachute. Hein. Ça va, il y a pas trop de dégâts de chute. Ça. Hop. Il faut faire tout le tour. Ah non. Raté. Ah bah non, il faut changer de zone. Ah bah viens, on va lui rendre la quête à Tanis. Tanis, c'est la dame. Hein. C'est, ouais, celle qui est amoureuse de sa chaise et de son enregistreur écho. Oula, oula. Je me disais, t'as quelque chose qui te suit. Ah bon ? Mais c'est un hack. Attends, mais pourquoi le jeu il...
dans le mille. Hop. Dans le mille. Non, c'est pas une bonne idée de sauter sur ça. Ah, si, tu peux, mais on va mettre 10 ans pour les tuer. Ouais, mais eux-mêmes sautent tout le temps, donc pour... Ouais, non, on va mettre 10 ans. Attends, je me rate l'œil. Ouais, c'est bon. Bah tiens, j'ai plus le buff de régénération de munitions. Ah si, il est très lent pour la vache. Alors, Madame Tanis, il s'agit bien du troisième fragment de la clé, nous en possédons presque la totalité à présent. Secourir un claptrap dans Old Even. Bah sûrement on doit y aller. Quand la clé de l'arche sera complète, elle indiquera l'emplacement de l'arche. Il manque un seul morceau et d'après mes renseignements, c'est le baron Flint qui le détient. Il vit dans une gigantesque machine sur les Salt Flats. Attendez. Qu'est-ce qu'elle dit ? Est-ce qu'on n'a pas la fin de la quête ? Attendez, vous ne pourrez pas ouvrir le portail des Salt Flats sans l'aide du petit claptrap portier. Draken ? Oui. Il y a un coffre rouge. Que vous pouvez faire pour moi ? Bah oui, c'était. Souviens-toi, c'était celui qu'on avait. On avait galéré pour récupérer la dernière fois. Et en fait, il fallait juste faire le tour. Regarde. Ah oui, c'est vrai. Faire du parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Un lance-roquette. Punaise, c'est la fête où on lance-roquette ce soir. Mais bon, après, il est pas ouf. Vache. Tu vas y arriver, Jack. Vas-y. Saute. Voilà. Et il y avait un autre coffre rouge là-bas, souviens-toi, qu'on n'avait pas pris celui-là par contre. Ça m'énerve, des moments où j'étais là, des fois j'en ai pas. Il me sert à rien, Allez, hop, je vais prendre le deuxième truc. Vache ! Y'a rien. Et du coup, on peut aller à Old Even pour aller libérer le claptrap et voir les signaux de fumée. Du coup, là, attends, hop, signe de fumée. Direction Old Even. J'espère que ça va arrêter de laguer pour rien, là. Mm. Tu les as ou pas, toi, les lags? Non, bah, non, ça va. Mais après, j'ai limité à 30 FPS. Ah. Non, bah, moi, j'ai limité à 60, mais. Je perds des pas mal de. On dirait qu'il n'a pas aimé le double chargement. On a compris, Katra. Oui, c'est vrai, bon. Oh la vache, 8 FPS! Oh, désolé, hein. Désolé le stream. Je sais pas pourquoi le jeu. Alors, Old Even, qui était l'ancien bastion des pierres et carrettes. Aïe. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es fait mal ? J'ai emmêlé mon pied dans les câbles. Oh, la zone elle est immense ! J'en sais rien pour le moment. Alors, le claptrap, il est tout là-bas. Les fumées, elles sont juste en face. Et il y a deux quêtes.
Alors, les colonnes de fumée étaient bien des signaux de détresse. La lance écarlate a neutralisé tous les bandits présents en Level et utilisé des signaux pour attirer d'autres. Malheureusement, ils tirent sur tout le monde, tout sur vous comme sur les bandits. Étouffer les 4 colonnes de fumée qui s'échappent de Leon, puis faire un rapport à Elena. Oula, oula. De toute façon, il faut aller dans les 4 zones. Donc, on peut aller chercher la quête. Ah vache! Attends, c'est pas possible. Attendez. Et j'ai même baissé les graphismes, c'est quoi ce bordel? C'est désert. C'est pas désert. Pour le moment. Ouais, le jeu est le jeu optimisé avec les fesses. Hein. Attends, t'as oublié de prendre la quête là-bas. Fouiller Old Level et trouver des clés et un coffre fermé. On a trouvé la première clé. Ils sont violents. Attends, j'arrive. Ah oui, mais attends, je lag trop là, je suis à 10 FPS. Oui, ils sont level 28 hein. Mais attends, oui. Mais je regarde droit devant moi, c'est... Je vais pas mettre le jeu en faible quand même. Ouais non, je peux pas jouer du tout. Est-ce qu'on peut relancer le jeu? Attends. Je finis la nuit, hein. Soit on relance le jeu, on fait la zone, soit on s'arrête là. Parce que là, littéralement, en gros, je regarde le sol, je suis à 60 FPS. Je regarde devant moi, je suis à 9 FPS. Tu veux pas te limiter à 30, voir si non, ça va, 9. Ça va mieux. Je suis à 9. Je suis en dessous de 10 FPS. Donc soit la zone est buggée, soit c'est parce qu'on a fait un double chargement. Faut peut-être que je relance le jeu. Bah on vient, on va au début de la zone. Ouais. Où le début de la zone, c'est là-bas. Vas-y. Là, je te laisse quitter. Et je peux relancer le jeu. Quelle heure il est? Il est 23h09. Cette mission, à peu près, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien ça dure? Je sais pas du tout, mais faut aller dans toutes les zones, tuer tous les mecs. Pour étouffer le 4 feux. Donc on en aurait pour un moment en fait. On en a au moins pour une demi-heure minimum. Alors attends, dans ce cas je fais de la vente et à la limite on s'arrête. Je testerai après. Mieux, là. Je redémarrerai après pour voir mais. Je sais, ça me... Bah les. La vente elle est là. Oui, j'arrive. Ah ça m'énerve. Si vous avez besoin de... Et le pire c'est que là en plus on est sur la fin, alors s'il faut passer au Gothi normal pour équilibrer, ouais, ça va être compliqué hein, je pense. Sur la fin, c'est sur la fin, c'est-à-dire. Bah là, on est sur la fin du jeu. Hein. Enfin, fin de l'aventure principale. Il nous reste plus que de mémoire, il nous reste plus que un morceau de clé de l'arche à trouver. Qu'on débloquera pas dans cette zone, mais dans la zone suivante. En gros, là, on va devoir sauver un claptrap qui va nous débloquer l'accès. L'avant-dernière zone,
cette avant-dernière zone, c'est là où on va trouver la clé de la dernière morceau de la clé de l'arche. Et quand on aura trouvé le dernier morceau de la clé de l'arche, on va devoir aller trouver l'arche, ouvrir l'arche, tuer le boss de fin, et on aura fini le... Ok. Ouais, pardon, excuse-moi, la quête principale. Et après, il y a les DLC, bien sûr. Ouais, ouais. Bon, on s'arrête là. C'est trop long. Je sais que tu te lèves tôt en plus. Donc. Bon, ça va. Là, franchement, je peux encore continuer une demi-heure. Hein. Dommage. Ouais, mais le temps de relancer et tout. Comme tu veux. Bah, c'est comme tu veux, toi, c'est pour toi. Hein. Moi, je quitte en 5, même pas en moins de 5 minutes, c'est relancé. Donc, bon, vas-y, cas, je te laisse quitter le jeu. Voilà, je quitte pas vers le bureau. Ouais, donc. Juste pour revenir au menu. Dans vas-y. Vas-y. Tu me dis quand ce jeu. Je te dis. Dès que je suis au menu, je te le dis. Là, je suis en chargement. Je suis au menu, c'est bon. Hop, bouge pas. Messieurs du chat, ça va être noir pendant 2 secondes. Borderlands Gothic Unchained. Par contre, j'espère que ça va pas planter encore. Enfin, que ça va pas. Ah, mais. Attendez, parce qu'il faut que Steam il synchronise. Mm. Voilà, c'est bon. Steam Cloud, embêtant. Allez, hop. Ça me permet de récupérer mes points de chaîne sur la chaîne Twitch. Profite, hein. Je suis à 15 900. Bien. À 1 million, on vous offre un voyage de personnes, un week. Non, c'est pas vrai. Non, à 80 000, j'aurais droit au courrier. Le petit courrier. Bah, techniquement, toi, ce courrier-là, tu l'as déjà eu. Hein. Oui, bah oui. Mais si t'en veux plus à diffuser à sticker, y a aucun problème. En plus, dis-toi, les stickers, je sais plus où je les ai foutus. Je les ai toujours pas collés. Ah, ouais, ils sont collés. Sur mon PC, enfin, sur le petit Robert aussi, j'en ai fait une guirlande au passage. Je sais plus. J'ai encore les stickers du Kickstarter Wakfu. Je les ai toujours pas collés. Alors, je colle des stickers partout. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux. Ah, c'est une bonne nouvelle. J'invite Jackie Bassound. Je suis pour le moment, je suis toujours à 60 FPS. Oui, ça va. Je pense que c'est le double chargement que le jeu a pas dû aimer. D'accord. Hop. Du coup. Le mute. Oui, c'est vrai. Le mute. Le mute. Du coup, on entend te dire le mute. Alors, les quêtes qu'on doit faire. On doit trouver des clés et de clés sur des bandits, étouffer les feux et trouver le claptrap. On est revenu dans la. De la même zone. Donc, le feu étouffé, c'est en plein milieu. Les clés du bandit, c'est juste après. Donc, c'est parti. Je découvre que quand tu m'invites et que je te rejoins, ça me met sur toi et non pas au début de la zone. Ah bon ? Ouais. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Donc là, rebelote, on va devoir refaire. Attention, ils sont dangereux. Hein. Ouais, non, qu'est-ce que tu dis ? Il y a un bouclier en face. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est. En fait, c'est les mecs, c'est ma classe en fait. Ah oui, c'est parce que c'est des brutales. Attends, je mets ma tourelle, moi. Oh. Ah ! Danger ! C'est bon. Ah mais c'est parce que je me suis mis à côté d'un truc qui pète aussi, je suis con. Il va mourir l'ingénieur brutal là. Ah mais parce qu'il est. Il faut viser que sa tête et. Avec ses épaulières. Il est pas tout seul. Ils sont à côté. Alors attends, eux, parce que eux ils ont des médecins en plus. Hein. Hop.
Du coup, il faut qu'on retourne en arrière. Oui. On n'a pas éteint le feu. Non, je crois qu'il y avait des arbres. Le feu, il est où? Il doit être dans cette zone. C'est quoi ce rayon laser là? Ce rayon laser, c'est une tourelle Gatling qui est très loin. D'aussi loin? Ah mais quand je te dis que le jeu est cheaté pour la visée des ennemis. Non mais je suis un newbie moi sur ce type de jeu là, les ennemis soyez gentils, accueillez-moi, je sais pas, avec un cocktail, des cacahuètes. Ah non mais Ah tiens, il y a un coffre. Il y a un coffre rouge. La fumée elle est où? Ah non mais d'accord, c'est... Il faut aller dans toute la zone, ok j'ai compris. Vise à tourelle, hein. Visez la tourelle. J'ai essayé. Alors attends. En plus, les pépères, ils y sont aussi. C'est bon, tourelle, c'est fait. En fait, c'est nous qui devons aller sur les colonnes de fumée. En fait, c'est le point dans la zone, il sert à rien. Il y a une deuxième tourelle. Ouais, grenade. Viens dans la maison, viens dans la maison, viens dans la maison. Et en plus, il y a un vendeur d'armes. Thérèse. En plus, ce qui est gênant, c'est que la tourelle, elle te vise hyper de loin, et comme ça te tire dessus, ça te fait des tressaillements au niveau de la visée. Hop. Alors, si tu viens avec moi. Il y a un coffre déjà. Allez. Presque. C'est bon, la toile c'est fait. C'est bon. Ah, je sais que ça fait mal. Bien, ça retarde. Voilà, au moins tu récupéreras de la vie. Alors moi je suis un... Oh, flingue. Je m'y attendais pas. Oh, sérieusement, un flingue corrosif qui fait plus de dégâts que le mien? Oh, vas-y. Hein. Oui. T'es dedans? Oui, je suis dedans. Du coup, il y a une quête apparemment. Oh, alors, elle est au-dessus la quête. T'arrêtes plus. Oui, oh, la vache. Je sais pas où elle est la quête, mais... Pas très précis ce flingue. Il se fait là, non? Ah non, t'es bien allé. Ah la vache, mon flingue il est pas mal, hein. Infirmier. La lance écarlate a engagé des bandits pour paralyser la circulation sur nos routes. Puis elle les a supprimés pour éviter de les payer. Ah bah non, là. En détruisant ses employés, elle limite ses rentrées futures. Alors, les colonnes de fumée. Il y en a une là-bas. Il faut passer par là. Il faut tuer un Brutas. Parce que je l'ai vu. Ils ont tous des tourelles Scorpio, c'est sérieux. Ouais. T'as piqué mon style.
pour voilà. Ça. Voilà. Attention, 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 recule, recule, recule. Voilà. Un coup dans le mille. Alors, la colonne de fumée, elle est où? Elle est là. Elle est là. Et comment on fait pour la fermer? Ah, d'accord, il y a un levier qui est là. Et tu vois, t'as le levier qui est là. Ok. Du coup... Ok, ça étouffe les flammes. Voilà, ok. Donc ça, c'est fait. Putain, il y en a encore plein, il y en a encore trois autres à faire. Ouais, c'est ça. Les clés des bandits. Les clés des bandits, c'est là-bas. Et par contre, la quête là, c'est... Comment on la récupère? C'est quoi le nom de la quête? Claptrap à Old Haven. Il y a un claptrap, non? Ah non. Il n'y a pas de claptrap ici. Il doit être au-dessus. Il doit être au-dessus, sûrement. On l'entendrait, non? Bah oui. Okay. Oui, peut-être de l'autre côté alors. Dans la maison là, il n'y a pas un claptrap ici? Non, il n'y a pas de claptrap, non, bon, je sais pas. Je sais pas. Bon, vas-y, on... Il doit être en haut. Il faut monter, mais alors comment tu montes? T'es sûr que c'est bon? Oh, ah oui, à ce point. Bah non, mais j'essaie de le comprendre en fait. Tu regardes en bas, j'essaie de... Joli. Non, on peut pas monter là. C'est pas sur le plafond, ça m'étonnerait. Ou alors il y a un sous-sol. Ah bah oui, non, il y a un sous-sol. Il doit y avoir un sous-sol, c'est pas possible autrement. C'est un peu Noël. Bon, on verra bien. On peut pas rentrer dans le tuyau. Là, je sais pas. Allez, c'est parti. Ah, c'est toi. Bonjour. Je t'ai pas vu passer. Je fais passer par en dessous. D'accord. Ah bah de toute façon on a libéré le claptrap. Fais la quête principale, c'est tant mieux. Tiens, c'est vous. Toujours pas mort. Toujours. Merci claptrap. Entendu. Ouais ouais, toujours pas mort. Reprends les derniers fragments. Oh là. Mais c'est où par en dessous? Bah non mais je sais pas, mais bon, c'est pas grave, hein, t'inquiète. La fumée d'ici c'est fait, il faut aller... On va faire le truc des bandits. La lance connaît la légende de l'arche, et il est peu probable qu'elle vous regardiez entrer sans broncher. Je vous ai parlé de mon fondant au chocolat. Non. Alors, il faut trouver des clés. C'est un... Il y en a un qui a un lance-roquette là. Alors la clé du premier bandit, du deuxième bandit, elle est là. Et après il faut faire demi-tour. Voilà, d'accord, je suis un petit bug. Eh non, c'est pas ça, je disais, il y a des méchants ici. Ça fait du bien. Qui crie comme des malades. Hop, et du coup il faut aller trouver la dernière clé qui est là-bas. Et on va pouvoir ouvrir un coffre de malade.
J'espère. Ici, il y a le point pour ce... Alors, là on peut monter, ça ne sert à rien. Bah, l'autre quête, je sais pas du tout où aller, hein. Franchement. Alors, la dernière clé. J'ai trouvé la dernière clé. Coffre rouge. Coffre rouge ou pas? Oui. Ah oui, 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 en dessous, oui, j'ai pas vu. J'ai encore de la place. Alors, des modes de grenade. Bon, ils me servent. Tiens, hop, vas-y. Modes de grenade me servent, sont pas utiles, donc. Non plus. Je te laisse les prendre. On peut aller ouvrir le coffre. Attends, mais là, il y a. Comment pas... tu fais pour passer? Je cours, okay. j'appuie sur Shift. Je suis toujours en train de courir. Tu appuies sur Shift et tu sautilles. Par contre, je vais vider mes armes. Mais bah, pour le claptrap, je sais pas, faut regarder. Je vais le garder par contre. Ah! On l'entend, non? Là, on l'entend. Alors, me dis pas que c'était un bug et qu'on voyait pas. Ou alors, bah, si, c'est ça. C'était un gros bug et on le voyait pas du tout. Il est là. Maintenant, il est en plein milieu. Et en plus, sur le kit de réparation, ça va, il est pas trop loin. Aller faire son kit et bah, c'était où on était tout à l'heure en plus. Donc on a déjà dézingué les mecs. Hop. Où il faut monter, donc il faut prendre l'escalier là. Il faut courir, il faut sauter. Il y a un coffre. Et je le quitte. Tu montes l'escalier et après tu cours en diagonale. Voilà. Oh, du premier coup. Regardez-moi ça. Et là, on fait pareil. Tu cours, tu sautes. Et tu as un coffre rouge. Bien, on a des armes. Oh, sniper et sniper. L'autre coffre, il est où? Il est tout là-bas au début, bah du coup on peut aller rendre la quête au claptrap. Ça nous fera 4 d'inventaire en plus. Et après on va ouvrir le coffre. Je pensais qu'on allait mettre une demi-heure, mais même pas, un quart d'heure on a fait la seule. Voilà, donc 4, on a 36 d'inventaire maintenant. C'est parfait. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a. On a oublié de finir les feux. Ouais, parce qu'on a pas fait, on n'a pas éteint tous les feux. Lui, il a pris. Aïe! Il me tire tellement de. Son arme a tellement de recul que. Quand il me tire dessus, je suis repoussé en arrière, quoi. Hop. Le feu. Donc, ça, c'est le feu du toit. On a fait. Comme...
sérieusement? Voilà. Il reste le feu là-bas. Je sais pas si tu la vois la fumée. Oui, c'est bon, je la vois. Petit, elle est petite pour moi, mais je la vois. Ouais, elle perd pas rien, quoi. Je sais pas pourquoi. Et du coup, on peut y aller. Il y a l'endroit pour ce rêve. En plein dans le mille. Elle est où? Elle est là-bas. Oh, une tourelle. Oh, deux tourelles. C'est super. On va balancer la tourelle Scorpio et puis on va faire les deux. Et d'une. Allez, vas-y, non mais là tu balances un missile quoi. Non. Oh non. 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 Oh non. J'ai merdé. Non mais ça y est, il nous agresse au respawn maintenant. Je vais continuer à prendre l'arme. Bon, comme ça, elle est mieux. Peut-être que 2 balles, mais au moins, je fais beaucoup plus de dégâts sur les mecs avec leur armure. Hop, et du coup. Ah, bah, il y a un coffre en plus. Cette quête-là, on l'a fait. Ça, ce sera à rendre à New Haven, des snipers. Hop, c'est bon, j'ai pris les armes, t'inquiète pas. Il y a plein de coffres, il y a des coffres partout. Tant mieux, tant mieux. Hop, on récupère l'argent. Là, il y a des tonneaux explosifs, des caisses de munitions. Et il y a encore une quête à faire, qui est de faire le coffre. Donc moi, je pense que c'est bon. Tu crois que je suis de ton niveau? Voilà. Hop. Et le dernier coffre à trouver. Avec la quête de la clé. Je suis sûr que c'est en plus ça va être un coffre pourri ou un truc du genre. On va aller par là. Alors, on doit mettre les 3 clés. Donc on a mis les 3 clés. Et on a chopé une map. Regarde les dessins. C'est n'importe quoi. C'est très très flou pour moi, je vois pas grand chose. C'est un peu flou aussi, mais en gros il y a un dessin de mort avec marqué shit. D'accord.
et autres. Donc. Je deviens plus fort à chaque instant. Elle indique un endroit au Dalheidland. Peut-être que quelque chose y est caché et on pourra trouver un coffre en y allant après. Et on est passé level 33. Attends. Ah oui, peut-être un point à placer. Yes. Fumer, il faut l'étouffer et reprendre le dernier fragment de la clé de l'arche. Donc ça, c'est le gros boss. Donc moi, du coup, bah, je te propose de rendre la quête à New Haven. Et ben, bah, il s'arrête là. Parce que là, la grosse zone qui arrive. Ça va piquer. Du coup, tu me dis quand c'est bon. Je suis là. Hop, et du coup, on se TP à New Haven. On pourra s'arrêter là. Alors, cette petite quête. Et surtout, en plus, je vais prendre les quêtes du panneau des primes aussi. Alors, il faut qu'on aille voir Elena Pierce. J'espère que vous vous tenez à l'écart des éléments improductifs. Oui, hop. Et donc... Ah non, c'est panneau des primes de Middle of Nowhere, donc c'est pas du tout là. Bonjour, Earl le Dag a de nouvelles missions à confier aux chasseurs d'arches. Alors... On va aller récupérer les missions, parce que sinon il va nous embêter. Earl le Dag, il est où déjà Earl le Dag? Earl le Dag... Non, ça c'est les... Ah, attends, ce que les Glasgow... New Haven... Roscommon West... Je crois que ça doit être là qui doit être Earl le Dag. Je sais plus trop. Je sais que c'est une décharge, mais alors... Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. C'est pas par ici. C'est là qu'elles vivent, les bagnoles! Prends-toi-en une! Ah bah non, je suis bête. Crazy Old Scrapyard. Le nom s'appelle en plus. Et là, on va pouvoir prendre la quête, comme ça, il arrêtera de nous embêter à dire alors le dingue a des quêtes. Je crois en plus, ça va être pourri sa quête alors le dingue encore. Alors, c'est quoi sa quête? Ah bah attends... Alors, les Skag, c'est pas une bonne... Ah quoi que... Ah, on lui fait 4. Et comme il saute partout. En plus, il y a une hitbox petite. Allez! Arrête de bouger. Non, le tue pas. T'inquiète pas, on va aller dans les zones où ils sont encore plus bas level. On va aller dans la zone de début. Alors, Earl le dingue. Sauver le meilleur ami de Earl que les bandits retiennent dans Trash Coat. Voilà, c'était juste pour cette quête. Et du coup, là je vais nous TP dans la zone de début et on va faire le succès là, tuer façon plombier. Et on s'arrêtera sur ça. Hop.
Firestone. C'est parti, mon kiki. Alors, Firestone. Les skags de Firestone, ils sont quel level? Ils sont level 4, c'est bon! J'arrive! Maintenant, il faut réussir à sauter dessus. Je l'ai vu sauter très en haut, très haut, genre, genre 30 mètres en haut. On leur fait 6 de dégâts! On voit leur vitesse au moins. Parce que faut qu'on le tue chacun à... Oui. Parce que sinon on se gêne. Attends, il est où le mien? Mais pourquoi il s'y fout là-bas là? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Il n'arrête pas de bouger. Mais c'est quoi ces sauts de malades qu'ils font? Voilà, c'est bon, j'ai réussi à tuer bien. Alors attends. Hop. Ah bah merde, ça s'est tué les deux. Ah mince, maintenant les one shot, c'est vrai. Du coup, vas-y, saute, viens sur le truc, il saute sur le. On peut sauter sur le bandit. Bandit? De mémoire, on peut sauter dessus. Ouais, là sur le bandit. Ok, non, attends, ils ont trop de vie. Les skags, il faut les skags. Là, les skags. Attends, on va tuer le bandit là. Vas-y. T'es tout seul avec ton skag. Saute dessus. Derrière toi. Tu y arrives. C'est le torse, enfin le dos, la colonne vertébrale du dos. Oui, alors, ah, j'essaie de viser, mais. Attends, mais ils font des sauts de malade, t'inquiète. Vas-y. Il m'attaque moi. Voilà, il se barre. Non. Il fait grève, voilà. Ah ouais. J'essaie de t'affaiblir. Et je vois rien. Il est où? Il est là. Attends. Ramène-le sur la route. Oui. Attends, si tu veux, je peux essayer de te le. Non, on le one shot avec le truc. Ouais, non, c'est pas le. Même au corps à corps, mais c'est juste essayer de te le baisser. Après, enfin, toutes les créatures bougent quand même assez vite. Il va descendre, il fait des. Mais ils font des. Mais c'est quoi ce saut? Ils font des jumps de fou! Allez, vas-y! Et voilà! Hey, it's a me! Et voilà. Merci beaucoup. T'es ouais. Et je l'ai vu le succès, je l'ai vu tout à l'heure en regardant justement les succès Steam. Je fais, oh tiens, c'est quoi le succès tu es à la façon d'un plombier? Je fais, oh, ça doit être du Mario ça. Et bah du coup, on peut retourner à Firestone. Et on va TP là. Enfin, on va s'arrêter là. Je vais juste vendre mon arme. Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical.
Hop. Donc là, les quêtes qui nous restent à faire, ce sera trouver le dernier fragment de l'arche. Et après, trouver un trésor, tuer quelqu'un, et trouver le meilleur ami de Earl. Voilà. Non, c'est vrai, c'est des enregistrements audio, ça. Criminel de guerre, niveau succès, pas mal, hein. Enfin, nous... Ça, c'est les duels. Tuer des skags, tuer des racks. Faire des victimes avec des armes. J'ai ouvert que 52 coffres depuis qu'on a commencé le jeu. Tu vois ça où? Dans... Quand tu vas dans tes quêtes, t'as le... t'appuies sur espace, et en fait t'as les quêtes, et après t'as les défis. Et ouais. Les défis, c'est quand, quand t'as les dé... tu fais genre... Oui, 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 ok. Et le coffre, comment il s'appelle le truc? Le truc du coffre, c'est tout à la fin. C'est Osabri, chasseur de trésors, découvreur de magots et héros chez les pirates. Attends. C'est tout à la fin. C'est à la fin, mais tu remontes un peu. T'as Osabri, ça normalement tu dois l'avoir. Chasseur de trésors, découvreur de magots et héros chez les pirates. Ah, Osabri, oh, coffre ouvert 5. Voilà, chasseur de trésors. 12 sur 25. Mais c'est quoi qu'ils appellent coffre? Ah, c'est peut-être les coffres rouges. Ça doit être ça. Hein. Ça les pirates, être... t'as dit? Et après, c'est, bah, c'est juste en dessous en fait. C'est, ah oui, c'est tout ce qui se suit, pardon. Voilà, c'est ça. Okay. Comme là, si tu descends encore, moi en tout, j'ai tué 868 humains. Sur les succès, tu vois, t'as chasseur de tête, antisocial, misanthrope et criminel de guerre. Attends, je cherche. Chasseur de tête, 50 sur 50. Antisocial, 250 sur 250. Et misanthrope, t'es à combien? 366. Ah oui, j'ai... Et toi? 868. Oui, d'accord. J'ai 500 de différence, 502 de différence. Par contre, je pense que toi, tu dois avoir plus de... Si tu descends encore un peu, dans homme d'action, attention, compétences de ouf, etc. Je crois 68. Que tu dois avoir plus que moi, je pense. 68. T'es qu'à 68? Ouais. Ah, parce que moi, je suis déjà à 264. Ah oui, d'accord. Et en tout, sur Pandore, j'ai tué que 1977 méchants. Le total des ennemis, là? Ouais, si tu descends encore, t'as tueur confirmé, guidé par oui. Une petite voix, okay. Terreur de Pandore et je suis la mort. 642. Ah oui, carré, oui. Okay. Et par contre, niveau sous-sous... 1 702 000. Eh ben, je suis à 1 million... Attends. 1 926 380. Ah, on est kiff-kiff quand même. Ouais, on est quasi. Et les duels, j'ai gagné 9 duels sur 10. 12. Ah, il triche. C'est vrai, il triche avec son... Les Skag, j'en ai 110. Skag, j'en ai 512. 512? Oui. Ah oui, mais tu les écrases aussi. Oui. Hyménoptère, je suis à 2... Hyménoptère, je suis à 90. Je suis à 236, mais c'est parce que je les écrase. Ouais. Par contre, niveau gardien, toi, tu dois en avoir plus que moi. Gardien, attends, rack 24. C'est quoi ce truc? L'arche et moi. Gardien, vas-y, dis. Je suis à 1. Je suis à 2. Ah, bon, bah. C'est quoi, les gardiens?
C'est on les verra dans la dernière zone avec le dernier boss. D'accord. C'est les Héridiens. Et après c'est les... Ouais, c'est avec les différentes armes. Oh wesh, pardon. Je veux que ça te baille. Les différents kills avec les armes. Comme là, j'ai tué 208 monstres, 208 ennemis avec un véhicule. Ah ouais. Attends. Parce que c'est moi qui prends la voiture. C'est quand tu descends un peu, c'est danger public, enfin violence routière, c'est... danger public, conducteur du dimanche et l'enfer sur roue. Et moi je suis à conducteur du dimanche, je suis à 208. Je suis au corps à corps, mort par incendie. Mort par l'attaque électrique, la chimie. Ouais, c'est encore en tout, c'est encore en tout. Explosion. Violence routière, 24 ouais. Sur 25. Ah. C'est génial. Les trucs d'objets fouillés là, t'es à combien? Attends, faut que je regarde. Tas d'objets, je suis à 784. Ah, d'accord, je suis à 570. Je pensais que j'en avais plus. Vous serez bien content de l'avoir. Ok, et après, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, à peu près. Un petit duel? Un duel? Allez. Un duel avant de partir. C'est V, c'est ça? V, ouais. Enfin, moi, c'est. Enfin, moi, c'est moi, pas le même, c'est. Oh, je t'ai fait rien. Ah quand même. Ça va, et oh oh oh. Ah oui non. Oh, oui. C'était juste quand même. Hein. Ouais, et encore parce que moi mes balles elles mettent du temps à arriver. Et j'ai qu'un pistolet. Moi mon flingue il fait que 2 balles. Par contre, il fait énormément de dégâts. Attends, du coup, j'ai fait un succès normalement. Gagner le duel. Attends que je trouve. Ah ouais, c'est ça. Gagner 10 duels. Donc là, il faut que. Alors on peut faire, là on peut faire un duel au corps à corps si tu veux. Quel meilleur gagne ? Corps à corps, comment on tape ? Bah V. Même au corps à corps c'est V, c'est V. Bah corps à corps c'est V. Ah là par contre je suis obligé de passer par le bouclier. C'est pas le cas. Eh oh. On a dit corps à corps. Non mais tu m'aurais battu de toute façon. Parce que ton bouclier toi c'est quand ton bouclier quand ton bouclier est vide, il libère une Nova. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Bah, je baille en même temps. Ouais, t'inquiète. Oh, voilà. Tiens, je vais utiliser une clé. Super. Je m'y attendais pas. Oh, oh, les deux m'intéressent. Vas-y, prends-les. Vas-y, non, tu peux prendre, vas-y, moi j'ai pris une. Ça m'intéresse pas. Prends le problème. C'est un 2 balles. Appelez-moi Z, comme tout le monde. Bon, voilà. On se quitte sur ça? Allez. Eh bien, c'est parti, je te laisse partir avant moi. Hop. Ah tiens, tu es parti. Et du coup, comme je suis tout seul, ça régène ma santé. Enfin, en gros, t'as quitté la game et ça a activé mon passif de régène santé. D'accord. Comme si j'avais tué quelqu'un. Bizarre. Ok. J'attends comprendre. Touk. Petit Steam, c'est là. Transition, c'est là. Et ben voilà, bon, on a quand même pas mal avancé. Donc là, normalement, de mémoire... si je regarde... Le planning ? Alors le planning, il y a demain, vendredi, ouais, Bah, vendredi en dos.
Si tout va bien en matinée, je commence enfin, après deux jours de pass stream, Zelda Skyward Sword. Ah oui, ouais, demain, oui. Ouais, vendredi après-midi, Ando sur le quiz de Popcorn 66 League of Legends, parce qu'il s'est mis dessus, je sais pas pourquoi, voilà, il s'est mis dessus. Et vendredi soir, on se retrouve tous les deux, toi et moi, sur Borderlands, la suite. Yes, et que je regarde, alors, quête... Alors attends, on était une autre pièce du puzzle, je crois que c'était ça. Jamais sans mon claptrap, claptrap à Old Haven, c'est celui qu'on a trouvé. Et du coup, alors niveau quête principale, il reste la dernière quête, c'est le dernier fragment là qu'on a débloqué. Il y a 3 sous-quêtes dans cette zone. Et après, il reste 1, 2, 3, 4. La cinquième, c'est le boss, le dernier boss. Et une dernière quête qui est de rapporter la clé de l'arche à Thalys. Donc là, en gros, si on fait que les quêtes principales, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dont le boss final et 7. D'accord. Donc 7 pour la quête, 7 quêtes principales encore. Et après il y a des sous-quêtes. Ça fait à peu près combien de temps? Bah ça dépend. Si pour le prochain stream on fait que la quête principale. Bah, vu que tu essayes d'optimiser quand même quête principale et quête secondaire, ouais, en fonction des zones. Je dirais, deux streams. Après, je sais plus c'est quoi la durée des quêtes, genre les terminales de commande écho, réinitialisation d'écho, figure de style, ça je sais plus du tout si c'est des quêtes, des grosses quêtes ou pas. Donc je vais dire deux streams. Deux streams, ouais. Et après, il y aura les DLC. Les DLC. Ouais, et là les DLC. Le premier, il y a 10 quêtes. C'est les secondaires et principales. Je pense qu'on en a. Il y a 10 quêtes principales et 15 secondaires. Donc je pense qu'on en aura au moins pour au moins un bon 4 heures. Ok. Le deuxième DLC en 30 minutes, 1 heure, c'est fait. Sérieux ? Bah, c'est que 5 vagues en fait. En fait, c'est le. Tu l'avais dit, oui. C'est le truc des 3 arènes. Enfin, quoique non. Allez, en 2 heures, c'est fait. Parce que t'as 3 arènes et sur chaque arène, t'as 5 vagues différentes. D'accord. Le troisième DLC. Si je regarde. Il y a à peu près 15 missions. Oui, donc le troisième DLC, on en a quand même pour au moins 2 bons streams. Mmh. Et je vois, il y a 15 missions principales et 28 secondaires. Donc ça fait pas mal. Et le dernier DLC, la révolution des Claptrap, t'as 7 missions principales et 14 secondaires. Donc on en a au moins pour, je dirais, une bonne dizaine de streams. D'accord. Okay. Pour tout vraiment finir les DLC, si on fait toutes les quêtes secondaires, on a au moins. Ah oui. Si on fait toutes les quêtes secondaires, on a au moins. Enfin, il y a juste une quête secondaire qu'on pourra pas faire. Ah bon, pourquoi ? C'est le méga boss ultime qui est Chromerax. Et à deux, on pourra pas. C'est. Ah bon ? Oui, c'est pas possible. Il faut être. Faut refaire le jeu en New Game Plus. Et être. Enfin, si tu refais le jeu en New Game Plus, tu peux le faire solo, mais il faut vraiment que tu sois. Genre 30 levels de plus. Après, il y a une astuce de mémoire, il faut. T'as un safe spot où tu te mets et le boss te tapera jamais. Enfin, tu verras. C'est un gros. Tu vois les vers de terre là-bas, celui qu'on. Les vers de terre violets là. Bah, en fait, c'est ouais. Mais on est énorme. Ça, mais en taille Rack Hive.
D'accord, ok. Et voilà, et il fait très très mal. Et c'est dans Borderlands, c'est un peu les boss de fin. Dans Borderlands 1, c'est lui. Dans Pré-Séquel, je crois pas qu'il y en ait un. J'ai pas souvenir. Dans Borderlands 2, il y en a un autre, c'est Terramorphous. Et dans le 3, j'ai pas souvenir qu'il y en ait un. Mais en gros, c'est des boss de fin ultra durs qui, par contre, quand tu les tues, loot du légendaire à coup sûr, etc. quoi. Je montrerai sur Borderlands de Terramorphous. Machin, c'est un gros ver. Là, c'est vraiment un ver, de genre de ver de terre énorme qui peut changer de. Qui a 4 phases. Et en fait, il change d'élément. Il fait élément du feu, élément d'électrique, corrosif et slag. Et il y a je sais pas combien de vies. C'est un fou. Terramorphous, c'est ce que j'ai peut-être trouvé dans Borderlands 2. Peut-être sur le wiki. Stratégie, c'est un raid boss. Voilà. C'est un boss particulièrement coriace, santé extrêmement élevée et attaque dévastatrice. Okay. Qui a été conçu pour être battu par une équipe de personnages bien. Enfin, personnages entre guillemets bien équipés. Cela implique une très bonne préparation pour les personnages qui désirent se mesurer à lui. Voilà. Cette préparation est d'autant plus pointue pour les joueurs qui désirent affronter en solo. Bah ouais, ça pique. Eh ben. Voilà. Donc ça, ce sera pour Borderlands 2, ce sera dans longtemps. Enfin voilà. Ouais, du coup, à demain pour Skyward Sword, si tout va bien. Si tout va bien, ouais. Si tout va bien. Que vous pourrez retrouver également sur la chaîne YouTube, messieurs, dames, en replay. Ouais. Alors ça, la date, on ne sait pas encore. Pour un avril, on est large quand même. Le replay de Skyward Sword. Oh, oui. Oh, ce sera fin mars. D'accord, ok. Bah, si je dis pas de bêtises, regardons le planning des vidéos. Le dernier épisode de Borderlands, donc Borderlands épisode 6, sortira le 25. Donc il restera Kirby à faire, Kirby 4. Kirby épisode 4, donc le 26. Et Skyward Sword juste après. D'accord, ok. Donc techniquement, vous aurez du Skyward Sword si vous regardez avant cette date, le 27 mars. Ok. 27 ou 28. Sûrement le 27. Mais bien sûr, il faut faire Skyward Sword. Ah bah, il sera, d'ici là, il sera commencé. J'espère juste que tout ira bien, c'est pas. Oui, bon, ça devrait aller. Après, je sais qu'il est très long, mais du coup, tu fais quoi comme... comme run, genre la run classique, ou genre tu fais run avec des malus Hein? Bah, tu joues comment? Tu joues en mode normal? Genre tu vas faire. Rien. Tu fais tous les donjons? Tu débloques les armes? Est-ce que tu fais le 100%? Parce que si doucement, tu mets la pression là. Parce que si tu fais le 100% de Skyward Sword. J'ai juste vu la durée moyenne du jeu, je n'en sais pas plus, je ne connais pas le jeu. Ah non, attends, Skyward Sword, je confonds avec Breath of the Wild. Breath of the Wild que je n'ai pas fait non plus. Non, Skyward Sword, c'est le jeu rétro. Oui, ah, Skyward Sword, je me souviens des... Ah non, mais même si je vais faire Breath of the Wild, si je dois faire Breath of the Wild, peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien, peut-être pas. Ça sera en mode je fais l'histoire, je prends mon temps, je fais les quêtes secondaires, comme ce que j'ai toujours fait. Quoi. Ouais, Skyward Sword, je confondais avec Breath of the Wild pour le début. Mais oui. Non, tu me verras jamais faire du speedrun. Non, tu veux pas tenter Breath of the Wild tout de suite le boss Non.
Mais ouais, mais Skyward Sword. Les jeux, enfin ce genre de trucs, de toute façon, c'est voilà, je prends mon temps, je fais la quête principale pour l'histoire, les quêtes secondaires parce que j'aime pas laisser traîner des trucs. Idéalement, je vais jusqu'au 100%. Idéalement, ça, des fois, j'y arrive pas. Ouais. Mais voilà, c'est, je prends mon temps. Si Monkey Ball, Monkey Ball. Monkey Ball. Alors, non. ce jeu est un jeu maudit. Mais ouais, parce que. Je crois que. Il y a, à l'automne dernier, ils ont sorti un autre Monkey Ball qui comprend la collection de plein d'épisodes anciens de Monkey Ball. Ouais. Eh bien, je ne l'ai pas acheté. Je voudrais l'avoir pour la collection, mais parce que j'ai une rage contre ce jeu, je ne l'ai pas acheté. Ah. Mais non, mais ouais, Skyward Sword, dis-toi, je me souviens, c'est quand j'étais au collège, je regardais les let's play de Diablo X9. Voilà, Diablo X9, ah oui. Diablo X9, le let's play Skyward Sword sur Wii. Wii U, je crois. Wii U. C'était Wii. Sur Zelda Skyward Sword. C'était la bonne époque, hein. Ça date de combien ? Diablo X9. Ouais, Diablo X9, il date hein, déjà. Zelda Skyward Sword, le premier épisode date du 12 novembre 2011. Donc ça piquait. Et lui il a fait en 39 épisodes. D'accord. Et alors t'as certains épisodes c'est 40 minutes. D'autres, une heure. Ouais, donc... Vous aurez de la VOD YouTube. Beaucoup de VOD. Oh oui. Enfin bref. Bon bah allez, du coup, bah à demain pour ceux qui regarderont Jake. Ouais. Vendredi, Ando sur LOL Popcorn et nous vendredi soir, Borderlands. Sur Borderlands, on va essayer de finir. Je pense qu'on finira pas l'histoire principale, ou peut-être qu'on arrivera. On s'arrêtera peut-être avant le boss. Après, comme c'est le week-end. Enfin, bref. Messieurs et dames, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Nous rejoindre sur le petit Discord. De vous abonner à la chaîne Twitch si ça vous suit. Ça vous dit, oula, je suis fatigué, ça pique. Et de nous suivre sur la chaîne Yvasson Studio. C'était Draken et Jake, on vous souhaite une bonne soirée, cordialement bisous. Bonne soirée.